Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Tout le monde connaît tremblement de terre, 14 Brooklyn t'es tué, crasé et enterré au paquet de monde tout vivant pour nous. Ça le quitte yo, a pas même un petit morceau de temps, il pas quitté pour t'apparer au petit lapin. Nous réunis presque la matin pour nous capables de rappeler l'état pays, citoyens qui pas trop touché le tremblement de terre, que situation nous a difficile en pile. En tant que fédération qui est représentante dans pile côté dans le département, nous sommes vraiment bien placés pour nous capables d'aider à canaliser l'aide. Nous demandons à tout le monde qui a voulu faire un geste à la communauté qui est dans la zone sud-là, tant que la communauté de Camperin, la communauté de Maniche, la communauté de Dichiti, Pestel, Roseau. Nous sommes capables de nous sur le numéro SAYO qui est 34-23-40-25-46-66-16-32. Nous avons vraiment besoin des matériaux solides, tampon, tôle, planche, clou, pour nous commencer à mettre un souffle de soulagement pour nous saillons qui ont souffert en plus. À tout l'autre élément, nous connaissons qui est capable d'utiliser dans le moment ça. PFCD, c'est une fédération réunie au paquet de communes amies dans le pays. Okay? Et je dis à ceux que nous connaissons les côtes sud là qui est rasé, c'est par ce pays là. Et je dis à la communauté Sahayo, nous avons une bonne relation depuis, disons, 7 mois, nous avons fait des activités ensemble. Et je dis à la communauté dans la zone sud en difficulté, ils viennent nous parler avec la communauté amis Sahayo qui n'a pas trop de problèmes. Comme secrétaire d'intention de Dénol, communauté de Camperin, communauté de Vanish, Tobek, Wabima, Dichiti, Beaumont, Pestel, Roseau, Jérémy, Ansdeno, on cite ça seulement qui est dans la zone sud là, je dis à venir parler avec la communauté Zambio. On dit, en communauté d'un coup Dondon, population Dondon, je dis à communauté de Camperin, Dichiti, Beaumont, et Manis, il n'y a aucun problème. Ça fait longtemps que ça a travaillé ensemble, nous faisons des activités ensemble. Dernièrement, nous avons réalisé une belle activité dans le Camperin ensemble. C'est tout le monde qui te met pour nous réaliser. Toute communauté qui te met pour nous réaliser l'activité. Et bien, je dis à la communauté, ça a eu en difficulté. La communauté dans la zone sud a besoin d'un abri provisoire dans chaque communauté amie. Dans chaque commune qui est dans le PFCD qui n'a pas de problème. Nous prenons une commune pour Dondon. Mes amis, population de Dondon, si nous avons fait, je ne sais pas si c'est Campirin, je ne sais pas si c'est Manis, je ne sais pas si c'est Dichiti qui a fait cadeau. Communauté de population de Dondon, relais coordonnatrice nous, dans 48, 25, 92, 32, ça n'a pas comme moyen pour construire, abri ça. Et là, je nous formule avec coordonnatrice pour nous faire ça. Et puis juste pour Dondon capable de faire. Et ceci, la côté Dondon, tout le monde après Dondon fait ça. Raison qui fait la matin, la commune Maniche vraiment crasée. Presque parce que presque pas de vie encore pour mon Maniche. Et bah, elle a dépassé, tout a écrasé, pas de caille encore. Et puis la pluie a tombé. Bon, par contre, qui s'en est dit. Moi, la matin, en tant qu'autorité capitaine de nous les a. Comme PDG a déjà dit, M. Gérard, Joseph déjà dit, le Gérard Joseph déjà dit, nous venons demander si pour chaque commune qui va victime. Et là, nous jouons nos bagailles, je demande aux autorités qui sont responsables, pas seulement rester dans la ville, dans la commune Maniche simplement, parce que la section est victime en pile. Nous avons Dori qui est victime, nous avons Melon, nous avons Derodien, nous avons Lestage qui est vraiment victime, nous avons Clarisse, nous avons Terre Rouge, Geoffroy, nous avons Vilou, Lépiné, et puis nous avons Bouffa qui est vraiment victime. Quand on déjà parlé déjà vraiment victime, nous, tout, nous, la majorité des gens sont en caille toujours. Il n'y a pas besoin de retirer les gens qui sont victimes. Et nous avons plus de gens qui sont dans le jardin qui mourent, nous n'avons pas besoin de compter les gens qui mourent. Et nous voulons demander
zanmi nou yo comme nous dans groupe RCD gen commune qui pas frappé nous vinn mande aussi pour yo avec les communes qui victime yo parce que moun yo dans la rue pas konn sa yo faire pas jwenn manger yo pas gen kay yo pas gen rien pour faire yo yo désolé moi vinn mande nous aussi pour nous et nous gen petite maniche tout c'est bien Michel Gaspard qui nous t'ai déjà parlé il dit comme ça lance bon Dieu bali la mettez un petit parti disponible pour petite maniche en tant que lycée petite maniche mais ça le répondant li parle minimum pile et puis nous venons demander si bon moun frère nous qui va victime yo comment capable aider nous pour nous sauver la vie moun maniche qui a péri yo on te connaît il était en décision par défaut doit en prendre compte ILCC nous te formé opposition par décision et que malheureusement après évoquer nous te retenu pour nous plaider et que doit être déporté. Et en conséquence, dans l'intervalle, toute une série de dossiers que l'ULCC voyait par quai, parmi lesquels figurent des dossiers qui ont une instance indépendante entre l'ULCC et la RBL, et RBI. Et c'est pour ça que matin, nous venons faire dépôt un ensemble de documents importants dans le cadre de dossier qui impliquait que l'ULCC, dès la transmission du dossier au parquet, depuis le fin de déférer au parquet, l'y dessaisit. Et que l'action publique est mise en mouvement contre tout le monde qui est impliqué dans ça que l'ULCC reproche dans le dossier RBI et ULCCA. Donc nous avons juste déposé un document auprès du doyen, auprès du juge saisi, du juge délégué saisi, de référé délégué par doyen, pour informer que l'ULCC transmet et déféré dossier ça parquet parmi 11 dossiers qui publiés sur NBASEO et que toute action que tu as introduit qui a impliqué ULCC, nous sommes dessaisis et qu'il revient pour partie qui est intéressée, hein, que les jeunes avec l'autorité de poursuite qui c'est le parquet, qui a fait ce que de droit. Mais nous-mêmes nous dessaisis automatiquement de que nous différer dossier au parquet. Dossier que nous avons traité qui fait RBI été carré la justice, nan, pas dans nous encore. Autrement dit, nous voyons devant l'autorité pour poursuite. Conformément à l'article 7 décret qui crée l'ULCC et deuxième alinéa, article 11 de décret qui crée l'ULCC en tout, il dit que nous faisons enquête et nous déférons au parquet. Donc nous voyons au parquet. Et dans le rapport ça spécifiquement, l'ULCC déféré dossier et demande l'autorité de poursuite pour le maintenir mesure conservatoire qui prend en cas de ça pour protéger les biens publics. Et effectivement, dossier à déférer comme ça, avec maintien mesure conservatoire, et que l'autorité de poursuite qui est le parquet, le commissaire du gouvernement, c'est le cas poursuivre au nom de l'État, en vertu de l'article 32 du décret de 1995. Et ce qui fait que nous sommes dessaisis. Nous n'avons pas gagné pour une assignation qui a signifié dans le cadre de dossier ça encore. Et que dépôt des documents, ça, de lettres d'information que nous faisons dans le bureau juge là, avec un bureau doyen, c'est pour nous informer que dans quatre dossiers, ça, nous déférons, nous dessaisis, il n'y a pas qu'à signer nous encore, et que toute éventuelle décision que tu apprends contre ULCC dans quatre dossiers, ça, l'a faite en violation de la loi, l'a faite en marge de la loi. Et il a créé toute suspicion que n'importe qui a gagné sur une décision de justice. So, nous déposons dossier hein, avec toute explication. Au cas où le juge a osé tendre, nous accompagnons l'acte d'opposition, nous, qui est un moyen que nous développer dans l'acte d'opposition. Nous baillons tout également copie requête de saisine du parquet de Port-au-Prince. Nous baillons tout inventaire de pièces que nous déposons dans quatre dossiers. Nous baillons le juge en copie. Nous baillons les lettres qui informent que l'ULCC est dessaisi et qui disposition de loi qui dit qu'il fait. Nous faisons à toutes fins utiles que de droit. C'est ça. Bon, nous plaidons à faire. L'ULCC est de faire une opposition par la voix de son directeur général sur une décision que tu rends en faveur de M. Boulos. Nous expliquons, juge référé, à limite compétence directeur général du LCCA, qui au regard de la loi, bien le niveau d'un inspecteur fiscal. C'est-à-dire que monsieur, dans l'administration centrale de l'État, son œil qui a un pouvoir en chef de service. Il n'y a pas même qu'avant l'être dans le paquet. Parce que l'ILCCA a un genre organisé.
Dans l'organigramme de fonctionnement de l'ULCC, il y a le ministère des tutelles, qui est le ministère de l'économie et des finances. Il y a le conseil d'administration, qui est présidé par le ministre de l'économie et des finances. Il y a le conseil de direction et il y a le directeur général qui est chargé de la gestion quotidienne de l'ULCC et non de la gestion stratégique et politique. Donc ce qui revient à dire que le directeur général de l'ULCC ne peut prendre aucune décision sans l'autorisation du ministère de l'économie et des finances. Il ne peut pas se présenter en justice. Il n'a pas la qualité, il n'a pas le pouvoir. Donc nous expliquer, je lui référer à ça, nous expliquer, je lui référer à que l'unité de lutte contre la corruption est une unité administrative et que le droit de geler les comptes des citoyens ou d'émettre un ordre d'amener, un ordre de recherche, ce sont des mesures qui appartiennent exclusivement aux autorités judiciaires. Un directeur général qui, au regard de la loi, a la compétence d'un simple inspecteur fiscal, il n'a pas le pouvoir de mettre un mandat d'amener. Il n'a pas le pouvoir de geler les comptes des citoyens. Donc ce sont des ordres arbitraires et illégaux qui, normalement, comme l'avait dit le premier juge, sont des ordres inopérants. Et nous avons demandé au juge de confirmer ces ordres. Évidemment, l'ULCC n'a pas combattu les exceptions et défenses soulevées par Pierre-Réginald Bolos. Il n'y a pas moyen pour le faire ça. Il seulement dit, le juge référé à, que l'ivoire l'aide Bali pour dire que le dossier a banan mélancole de voyer le paquet. Le juge n'est pas saisi de ça. Il y a un acte d'opposition, qui a des conclusions opposées à l'opposition, qui constituent le mandat du juge. Et quand vous dites voyer l'aide pour le juge, là vous doutez voyer le dossier dans le paquet, c'est étranger au dossier, ça n'a rien à voir au dossier. Et nous attendons la décision du juge. Le juge dit va bien. Il peut décider. Il demande des dépôts des pièces. Pour le cas de rendre décision. Cette difficile mission de la presse présente dans les confins les plus reculés du pays pour informer la nation du déroulement de la vie, des multiples dysfonctionnements qui empêchent les citoyennes et les citoyens d'obtenir le service minimal de la part de l'État, mettra les journalistes souvent fois en difficulté. La presse, les installations des médias, les journalistes seront la cible principale des gardiens du système dont on n'avait pas toujours évalué la capacité de résistance. Du 7 février 1986 au vote de la Constitution, le 29 mars 1987 à aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que la presse se soit trouvée dans le collimateur des tenants du système qui refuse toutes sortes de réformes. Au sommet de l'État et tout autour de l'appareil d'État, un subtil et efficace mise en place a été fait pour essayer à chaque fois de contrer la presse et de faire échec à son travail de sensibilisation et de divulgation des valeurs démocratiques. La presse, dans toute société, est adulée, redoutée et courtisée. Tout le monde veut avoir accès aux médias ou à la presse avec des objectifs différents. Il y en a ceux qui voudraient apprivoiser les journalistes et les médias, ceux qui veulent les domestiquer, ceux qui voudraient en faire les défenseurs de leur cause et ceux qui agissent tous les jours pour les discréditer et les éliminer au profit de la propagande officielle. Aujourd'hui en Haïti, les détracteurs des médias et de la presse ne manquent pas. Les tenants du système ont réussi la prouesse de coopter une bonne partie de la presse pour défendre leurs intérêts. En plus de cette réussite, ils utilisent les médias sociaux pour essayer de discréditer la presse et les journalistes avec une étiquette passe-partout de marchand de micro. Ils essaient de décrédibiliser la presse en jetant dans ce fourre-tout l'ensemble des journalistes et des médias. Comme la presse est toujours à l'avant-garde des accusations de corruption, des incuries et des incompétences de l'État, les corrupteurs anciens et actuels qui avaient pris d'assaut les commandes de l'État disposent d'une partie de l'argent détourné du trésor public dans le seul but de discréditer la presse et les médias. Organisation qui fondée en 86, qui fait son organisation qui fondée tout juste après une dictature. Et nous-mêmes, rôle pas nous, c'est marcher dans toute commune, dans toute section communale, pour nous expliquer le peuple qui s'était sorti lui-même et dans la dictature pour la rentrer dans la démocratie. Et c'était
travail ça a été fait, c'était grâce à la presse. Et que parce que les côtés nous pas de cas aller, c'est grâce à des médias communautaires, l'autre qui te permettent que nous t'es capable de faire débat. Et c'est ça que nous-mêmes nous pensons que c'est World Jeunesse là, dans la situation que nous tombons là, dans la situation où un pays qui est effondré, n'a pas rentré dans le trou, n'a pas regardé que tout ça qui passait. Nous rivons, ça qui est plus dur, nous voyons que dans le plein 21e siècle, ça, pour que nous tuions le président, ce n'est pas fait longtemps, 100 ans avant, en dans Kaili. C'est pour que pour nous-mêmes, en dans Yemen, c'est une honte nationale. Parce que pour nous sortir dans l'autre pays, pour rentrer en Haïti, pour venir causer ça, c'est pour nous montrer que les institutions sont faibles. La police, l'armée, tout ministère de l'intérieur, moun rentré, n'importe qui qui a rentré dans le pays à commettre n'importe qui ça, personne ne va connaître qui leur est rentré, qui leur est sorti. C'est-à-dire que c'est pour nous montrer faiblesse institution. Nous croyons que ça, c'est jeunesse là, c'est eux qui ont remplacé nous, c'est eux qui ont venu et pays là, et que il y a des questions qui sont possibles. Nous-mêmes, haïtiens, nous pas vraiment un peuple de débat, nous pas un mail, et nous plus un peuple de combat. Nous pas chita ensemble pour nous résoudre le problème. Nous, c'est ça qui a passé là. Nous pas chita pour nous résoudre, nous avons chita avec blanc pour le résoudre pour nous. Parce que nous-mêmes, c'est si nous sommes, il faut qu'on grand monde pour qu'il dirige nous. C'est comme ça nous sommes comme peuple. Juste aujourd'hui, nous faisons combien de temps nous dans la manifestation? Nous faisons combien de temps à bouler caoutchouc? Nous faisons combien de temps à bouler? Nous avons un tremblement de terre qui était passé en 2010. Quand ils ont construit même gens, malgré que tu as gagné des travaux publics, qui t'es rompu le côté, ça couche, ça bleu, ça bagaille, pas de problème. Même mairie encore qui a ben n'importe papier à n'importe caille qui t'est écrasé. C'est pour nous dans l'état que nous sommes. Nous sommes ça qui a passé l'autre bord là, que tremblement de terre dans le sud là, dans la grande ça, dans quelle situation nous sommes, quel est l'hôpital nous sommes. D'accord, nous obligeons ces gens à prendre pour courir aller parce que nous c'est comme si que gain l'hôpital là pas à peine 2-3 infirmières et parfois infirmières même gon gang. C'est là nous y qu'on croit que son moment pour nous réfléchir de qui pays nous voulons, de qui que société nous voulons. D'accord, a bien l'autre tremblement de terre, est-ce que on l'autre encore la même façon hein? La toujours 7.2 puisque il y a plusieurs failles, mais qui ça n'a pas comment construction à pied, qui rôle mairie cabay papier, qui rôle État, qui rôle TPTC, d'accord, pour construction anarchique, qui rôle nous, qui rôle l'État, comment paye, qui nous-mêmes comme peuple, qui ça nous voulait faire avec pays ça. Moi, je crois que débat ça, c'est les mêmes, et c'est jeunesse là pour qui fait li, parce que moi-même, moi, ouais, déjà, moi, ouais, 86, moi, ouais, côté nous arrivé aujourd'hui, d'accord, ils m'aident fondé en avril 86, juste aujourd'hui, nous, plus bas que côté nous t'ayez avant. Activité ça que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le cadre pour nous relancer. C'est le mercredi de l'IMET, activité que l'IMET a organisé chaque dernier mercredi du mois. Donc, par rapport à gens que nous avons payés dans le moment, nous voulons choisir de relancer l'activité. C'est un objectif pour nous et faire jeunes, motiver au plus pour nous impliquer au plus dans ce qui a passé dans le pays. Nous voulons pour nous comprendre. Donc, d'où nous invitons M. Ewol Jean-François sur le thème rôle de la presse dans la démocratie. Puisque nous-mêmes, nous connaissons que après 86, nous connaissons que avec Constitution 87, là, nous connaissons que nous avons une démocratie. Donc, nous avons besoin de connaître que nous devons pour jeunes, nous connaissons qui rôle presse là, qui ça pour les faire, qui objectif pour qui ça là. Donc, vraiment, nous devons ça et c'est pour ça que nous avons choisi le thème ça, je veux dire. Participants, c'est des jeunes étudiants. Des étudiants journalistes, des étudiants de l'université de l'État, bon, c'est des étudiants. Bon, moi personnellement, c'est pas une activité IMED, c'est une activité mercredi de l'IMED avec jeunesse IMED là. Donc jeunesse IMED là, jusqu'à présent, c'est concernant nous relancer avec chaque dernier mercredi du mois, on a fait une activité avec des jeunes sur différentes thématiques. Nous commençons avec l'activité jeunesse de l'IMED, les mercredis de l'IMED depuis en 2018, mais nous te font camper. Nous relancer jeudi. Donc, groupe cible, nous, c'est jeunesse là. C'est jeunesse jeune universitaire là. Objectif visé, c'est arriver à impliquer jeunes plus dans l'action démocratique.
situation paraît plus compliquée pour moi dans ka vivre dans section communale dans département Sud Grand'Anse at Nimp après passage tremblement de terre 14 août là en pile monde pas arrivé joindre soin dans l'hôpital yo gelot qui pas gain côté pour yo dormir et qui epi qui pas ka joindre manger kit médical sanitaire attente c'est quelque part nous besoin essentiel moun ka vivre dans zone sa yo dans sa habitant zone sa yo là c'est un appel urgent bay autorité yo pour porter yon secours pressé Marie Jebel Hertelou a présenté nous yon extrait. Responsable action civique yon estricti Yves Marais Saint-Louis a dirigé fait connaître il a fait préparation pour porter aide bay moun ki victime nan grand sid yo nan cadre tremblement de terre 14 août là. Yves Marais Saint-Louis expliqué il a gagné pour distribuer manger de l'eau ak lòt produit bay victime yo. Yon extrait. Nous avons travaillé pour nous faire certes comme une organisation à but non lucratif qui est là pour gérer les Haïtiens dans toutes difficultés. Dans l'optique ça, nous associés avec l'organisation des États-Unis et pour venir collectionner une série de bagages qu'on a besoin pour aider le peuple grand sud là. Tente, médicaments, rad, manger et autres. À présent, qu'on est à New York, nous faisons mise en place là, qu'on est en question de retendre que nous potés baillons dans la base, que nous voyons nous-mêmes transférer, nous voyons aller en Haïti. Mais femme du tout que nous-mêmes formons ta fongeant pour aider nous de notre façon, par exemple, l'État lui-même supposé faire un travail, pour aider préparer les siens, pour aider les gens qui perdent du propriété, les gens qui perdent du caillou, pour le carrément de moyens, pour le reconstruire, mobiliser, pour collectionner. Et ça que le peuple a besoin, ça nous anticiper que le peuple a besoin de quoi pour transférer au sorti New York, venir ici à l'angle sud là. Mais on dit tout au niveau de l'action civique, nous était quoi que l'État dit un rôle pour jouer en termes de compromis premier et matière première de construction. Nous allons parler de ça, on a parlé de sable. Et ciment avec fer. Mais c'était quoi que ministre commerce et industrie allemand a un rôle pour jouer, l'a pris pour déterminer, pour établir prix que produit ça est supposé vendre. Géographe James Olivier a attiré attention autorités dans l'État pour renforcer assistance et apporter les victimes tremblement de terre dans NIP, SID à Grand'Anse pays. Autorité doit bien gérer action humanitaire dans bénéfice victimes yo, d'après James Olivier. Géographe l'a expliqué, nous devons construire dans une zone qui est accessible pour respecter nos yon façon pour éviter plus de monde mourir dans le tremblement de terre.
Yon bout nan deklarasyon la nan mikro Jean-Serge Mionendor nan pito suiv. Le nan construit fait nous c'est vrai fait des normes de construction mais des zones qui pas mérité construction. Donc cela est où l'état pour définir qui zone nous n'avons pas construit, qui zone nous n'avons pas construit. Donc et même positionnement caillou tout, il y a des monde qui fait caillou numéro 1 sous côté caillou. Quand on dit sous caillou peut caillou ça capable de caser caillou là. Donc on pense qu'il faut gagner des dispositions qui peut prendre dans ce sens. Mais on regarde précepte, je veux dire, que nous avons besoin, que la communauté a besoin. On regarde ça passer comme dégâts, conséquences des dégâts sur la vie de nous, sur la réalité. Qui ça veut dire de manière urgente qui est capable de faire avant de arriver dans la reconstruction qu'on a parlé tout à l'heure. Avant de dire ça, on dit une phase d'urgence qui est capable de durer 3 mois, mais nous on a jusqu'à 6 mois, nous sommes après 30 mois de théâtre. Phase ça, c'est côté où des mouvements réhabiliter vous. Ça veut dire qu'on va vous demander assistance en nourriture, en soins médicaux et de l'eau, tout ça, on a besoin, mais en soins psychologiques tout. Parce que ça, c'est extrêmement important. Parce que il y a des autres phénomènes qui attendent nous, et puis devant, après catastrophe, ça, bien sûr, je ne peux pas parler avec un collègue, question de gestion de l'eau, mais quel côté il y a. Parce que ça, c'est extrêmement important. C'est une question de manger bio seulement. Parce que après le tremblement de terre de janvier, nous avons fait face à cette situation, ça a été un peu de viol de fillettes, de jeunes femmes, grossesse avant l'air. Grossesse avant l'air. Et puis, ça t'a pas le fait, puis il t'a pas le tombé, nous sommes de baby-boom. Donc, le terrain et la population ont augmenté après le tremblement de terre avec les petits monde qui étaient venus fêtes et parfois un petit monde ça eux ou par contre papa eux. Donc, tout ça, c'est des bagailles pour nous gérer. Des questions de sécurité, là. Donc, qui venait en les répondre directement, puisque nous, nous déjà avec une situation de catastrophe, donc nous ne pouvons pas de l'autre catastrophe qui frappe eux encore. Donc, et c'est ça. Comment on croit qu'on est capable de servir à Jean Péjo en 2010 pour ne pas faire le numéro en 2021? Bon, malheureusement, nous toujours fait le numéro. Et c'est bien malheureux, nous toujours fait le numéro. Parce que nos gestions catastrophes. Alors, ma piscine, c'est un concept qui est très fort, peut-être un peu de ne pas connaître, c'est ça, le gouvernement humanitaire. Le gouvernement humanitaire, il y a un dispositif humanitaire qui mettait en place. Et c'est vrai, un peu de fois, l'État a le droit de participer, mais l'État pas toujours au devant de la scène. Et le dispositif humanitaire, ça, l'État doit gagner là-dedans toutes couches dans la société. Bon, là, nous parlons de toutes couches dans la société, nous sommes même des petits paysans qui sont dans la section communale là. Donc, lui-même, tout qui est leader dans la zone, il est capable de jouer un rôle dans ça. Mais, en plus de fois, ce n'est pas ça qui fait, c'est plus, il est venu avec des bagailles, il est imposé le mot. Donc, nous, nous considérons comme victimes. Effectivement, nous sommes victimes, mais ça qui est du sacré, la construction de la victime. Nous construisons comme victime. Ça veut dire que ce sont nous qui ne peuvent pas prêter tout en charge, c'est nous qui pouvons faire pour. C'est la situation, ça on est tout. Or, nous, nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs de propres et problèmes. Donc, nous pensons que toute réponse qui t'a donné pour te ramener ça, il faut que nous nous impliquions là-dedans. Tout parce que c'est nous-mêmes qui connaissons. Et qui ça vous gagne comme besoin. Toujours dans l'actualité, coordonnateur Union nationale normalien haïtien, Josué Mérilien, annoncé une série d'activités pour porter solidarité par les victimes dans le Grand Sud. Coordonnateur UNOA félicité responsable dans le secteur organisé qui déjà porté solidarité avec les gens dans le Grand Sud. Puis loin, responsable UNOA souhaité autorité faire intervention dans l'école qui endommage pendant le passage tremblement de terre. N'a pas quitté suivre. UNO apprécié et tout mouvement solidarité qu'a fait là, que ce soit ici en Haïti, que ce soit dans la diaspora, que ce soit en République Dominicaine, côté gagné, une coalition d'organisation qui montait justement pour porter aide à Haïti. Aide ça yo d'ailleurs passé par l'organisation haïtienne qui a gouverné là pour permettre que l'arrivée atterrit vers victimes réellement. Nous saluons toute initiative ici là, mais nous disons que
pour que l'aide ça atterri, pour que nous efficace, il faut gagner une structure de coordination aide là, qui va être un, tout le monde connaît, ensemble des institutions qui impliquées, soit dans l'aide, soit dans la distribution aide là. Et deuxième manière qui fait, elle dit là, il va les gagner. Et si tu ne comptes pas, structure à permettre que l'aide là, il atterrit véritablement sans que il va détourner. Parce que, à gagner des canaux sûrs, que l'aide a passé pour les jeunes victimes. C'est ça, j'ai un bon agent de Victor, d'accord, déjà, et suggéré, nous demandons que vos structures qui montent avec, vos organisations crédibles, dynamiques de la société, personnalité crédible, plus protection civile pour assurer que il y a une coordination au niveau national, au niveau départemental, au niveau communal, dans la section communale, il y a une coordination qui monte avec des mondes crédibles qui fait que elle s'est non seulement il y a une aide là, mais elle s'est transportée, stockée et distribuée normalement pour arriver à jouer toutes les victimes. Il y a en plus de ça, il y a l'activité de solidarité qui a fait. Bonne journée, monsieur Baïté. N'a pas pour nous mettre date là, contenu, journée, ce qu'il y a de la belle, qui est pour y a un concert solidarité avec les artistes, les artistes qui sont d'accord, parce que c'est un concert en faveur et des victimes. N'a pas dit d'ici, début de semaine, qu'à ville là, pour mettre tout le détail sur qui l'heure, journée en fait. Et qui ensemble de personnes sont capables de suivre la donne, qui les conseille à faire tout, qui sont d'artistes qui déjà baillent dans les 10 euros, puis ils viennent bailler pour les solidarités aux baillent, victimes et grand sud. Et pour où est cette école-là, je pense que dans le grand sud, il faut gagner des mesures spéciales qui prennent par rapport à l'école. Par exemple, nous avons débattu pour grand dose. Nous avons 55 écoles qui sont endommagées. Nous avons près de 72 écoles qui crasent par terre. Dans le sud, nous avons plus d'une vingtaine d'écoles qui crasent, endommagées. Et c'est même cas dans la nuit. Maintenant, il faut gagner de l'accompagnement spécial qui va enseigner par les élèves, les capables d'école. Deuxièmement, l'école qui crase des yeux, il faut regarder comment construire un hangar. Pour garder construire l'école, si nous avons un hangar. Et l'école qui a réparé, il réparé rapidement. L'autre nouvelle, 60% copie examen officiel 9e année fondamentale pour année académique 2020-2021 fin corrigé d'après responsable palmarès 9e année fondamentale département l'Ouest là Jean Village-Ville. Responsable a fait connaître malgré difficultés qui gagnent pour année ça. Avant longtemps, il a publié résultat 9e année fondamentale pour l'année académique 2020-2021 pour le département l'Ouest. Là. Plus de détails, le micro Midrel Milias avec Max Joseph. Nous finissons avec des séchages. Actuellement, nous avons pointage, en même temps, nous avons correction et nous avons palmarès. Donc, ça veut dire que trois processus, ça, trois activités, ça, a fait ensemble. Donc, aussitôt, nous espérons que correction d'ici lundi prochain ou plus tard, nous allons finir. Et je crois que d'ici vendredi 27 à peu près, nous supposons finir bon, ici à nous-mêmes. Actuellement, je crois que nous environ 60%. Trois activités qu'on fait parallèlement, c'est nous avons correction, nous avons pointage et nous avons palmarès. Trois activités qu'on fait parallèlement. Donc, nous, normalement, après, on fait corriger. Nous voyons dans le pointage, c'est le pointage qui permet de notre sous-souche. Et puis maintenant, nous passons au banon dans le palmarès et puis nous monter le palmarès. Et après quoi, nous voyons l'informatique qu'on a pu saisir. Et après, notre dernière activité, c'est ça que nous allons créer, donc ça veut dire vérification des notes, les informatiques la fin saisir. Donc, première vérification qu'on a faite, pour nous si pas de erreur, si il y a une erreur, nous corriger et puis avant que pour l'inscription finale la fête. D'ici 27, au plus tard, pour nous-mêmes, nous t'as supposé prêt. Donc, on est après arrêté avec
l'autre responsable, j'ai l'impression à partir de 31 comme ça, le résultat est supposé officiel. Pour moi-même. Pour le moment, je n'ai pas gagné ce résultat, je n'ai pas gagné toutes données, je n'ai pas gagné vu, mais quand même, comme je dis, il y a un résultat avant l'ouverture des classes. Pour vécu par la gain imprévu. Que mettre un résultat, ça peut bien proposé, il a réussi. Donc ça ne pas réussi. Il y a réussi de retourner encore pour l'année prochaine. Parce que 9e année, elle est importante en pile. Dans le système éducatif là actuellement. Donc si vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas fait classe supérieure, donc vous êtes obligé de retourner l'année prochaine si Dieu veut. Commentaire 14 août 2021. À ce moment encore, nous allons retourner sous terrain avec correspondant nous, correspondant nous dans Miragouane, correspondant nous dans Jérémy, correspondant nous dans Villocaï, pour nous connaître qui genre situation présentée quelques jours après Goudou Goudou Sahara, qui mettait de l'onanger en pile famille dans le pays d'Haïti. Quand il y a l'élan de solidarité qui commençait à faire remarquer, d'ailleurs, nous pas suspendu, au niveau télévision nationale d'Haïti, la solidarité, c'est le maître mot. Nous besoin pour te coller, nous besoin bourade, nous capables pour nous accompagner, frère actionnaire, pendant nous souhaiter autorité eux-mêmes, assurer ça, on doit faire pour capable aider si la qui victime sortit, si pas, dans la situation difficile, il y a qu'on est, je ne vous dis. Pendant l'émission, ça, nous allons regarder qui ça en pile dans la section nous avons besoin, je ne vous dis qui ça nous devons faire pour nous accompagner le plus vite que possible. En attendant, nous pensons à la reconstruction, nous pensons à faciliter mon retourner dans l'espace côté au table vivre là. Pendant après, très certainement réfléchir sur la nécessité pour nous construire l'autre façon. Parce que je ne connais là, ce n'est pas tremblement de terre qui mettait en pile dans nous, dans le courrier aujourd'hui, mais c'est la construction nous. Là maintenant, il est fondamental parce que il y a des leçons qui tirent pour nous aménager l'espace là plus bien, pour nous habiter la zone nous plus bien, pour nous planifier la construction nous plus bien. J'ai en pile étude qui fait sous question ça. Kenny Vilse avec nous, on fait encore pour l'émission spéciale ça. Bonsoir Kenny, comment ça y est? Bonsoir Serge Nolendo, bonsoir à toutes les amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, bonsoir à toutes les amis internautes nous qui suivent nous. C'est un plaisir pour nous rentrer la caille aujourd'hui, hein, puisque nous connaissons déjà la Télévision Nationale d'Haïti, la télévision d'État, les décréter la permanence depuis le samedi 14 août 2021 pour le Kimbo informer, mais tout pour sensibiliser, conscientiser autour de ce qui a passé jeudi à la Grand Sud pays depuis après passage tremblement de terre qui t'est frappé Grand Sud là, particulièrement des départements comme le Sud, les NIP et la Grandance, nous rêter pour nous qu'un bon informé autour de derniers éléments d'information, derniers bilans, derniers chiffres qui sont disponibles, comment aide la li même li a essayé d'aller vers Mounio. Qui équipe qui organise, qui sa cap fête jeudi, qui sa gain pour fête, qui sa crête pour fête, côté nécessité. Et puis de temps en temps, nous parler avec les amis, nos correspondants, confrères nous qui sous place, qui ont même à permettre que nous prenons pour actualité dans la zone. Et c'est ça nous fait chaque jour, et c'est ça qui la cause que nous la souhaitons justement, pour que nous sommes capables de informer et présenter bah, tout dernier élément d'information. Pour qu'à gagner, souvler tout détail sur comment la réalité est. Je dis à notre sud pays, à Serge. Très certainement que nous avons gardé le dernier bilan partiel qui est disponible. 1941 personnes perdu la vie suite à passage tremblement de terre, on dit dévastateur. Hein? Et 1941 personnes, gagné 9900 personnes qui baissaient, gagné tout 135 000 familles qui sinistraient. 75 000 cailles détruites ou soit endommagées pour trois départements. Alors, bilan ça concerne le département sud, département NIP et département Grandance. 1941 moun, 9900 blessés, 1941 moun qui perdu la vie, 9900 blessés, 135 000 familles sinistrées, 75 000 cailles détruites ou soit endommagées. Je nous dis à son bilan partiel, très certainement, protection civile. Pour mettre pour que l'équipe qui se place continue à recueillir données et donner ça à l'heure disponible. Directeur général de la protection civile, là, Dr. Jerry Chambia, pour mettre pour le partager avec la population. Nous allons démarrer le programme là, avant de rentrer Jérémy Kenny avec un compte rendu. Collaborateur nous, Justin Pierre, qui est préparé pour nous. Justin qui va aider nous garder, qui Jean, en pile pays, et pays pays étranger, et pays partenaire de la communauté internationale, là, à Potemoura, d'Haïti, après passage tremblement de terre, 14 août 2021.
Contre du en pareil, Jimmy, n'a pas permis les spectatrices et les spectateurs internautes nous suivre qui ça, Jocelyn, préparé pour nous. Secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, dit organisation l'a dirigé à camper bon côté pays d'Haïti après tremblement de terre 14 août 2021, d'après une déclaration li publiée. Pour Kounia, personnel Nations Unies déjà sous territoire national là, pour aider le gouvernement haïtien à faire face à la situation, surtout dans la zone qui gagne plus de victimes. Yo. C'est une assistance pour un montant de 8 millions de dollars américains. Nations Unies déjà voyé par Haïti pour capable aider Sila qui puisse toucher en bas tremblement terre 14 août là avec tempête tropicale grâce sous pays. Directrice Fondation Unies pour Timounio, UNICEF, Henrietta Fort, lui-même tout exprimer solidarité libre côté peuple haïtien après passage tremblement terre avec tempête tropicale grâce qui frappe pays. Ça qui la cause en pile destruction infrastructure. Yon délégation agence lan déjà présente dans le département qui plus touché yo pour bail assistance toute qualité d'après sa directrice générale l'a déclaré. Pays Chili, Mexique, République Dominicaine et Colombie, c'est quelques parmi pays yo même tout qui déjà bail assistance humanitaire après tremblement terre 14 août passé ya. Pays Colombie dit c'est à capil tristesse yo apprendre nouvelle catastrophe naturelle qui frappe pays ya qui la cause en pile dégâts dans région sud pays ya. Côté plus passé, yon millier moun perdit la vie yo, et puis plusieurs milliers l'autre sont blessés. Voilà plusieurs pays qui manifestent solidarité à Haïti dans circonstances difficiles. États-Unis, Chili, Colombie, République Dominicaine, Mexique, qui même déjà voyé toute bourade par yo dans le grand sud pays d'Haïti, Kenny. Elle a précisé qu'il y a une protection civile qui lui-même mettait une adresse disponible, une adresse électronique, mettait un numéro de téléphone pour assurer que Edlan est bien canalisé, un minimum de contrôle, un minimum de coordination pour que ça qui arrive en 2010 ça pas arrivé en 2021. Il est évident que nous avons dit là dans différentes éditions spéciales nous autour de tremblement de terre là, et gain un effort de coordination qui doit être fait. C'est vrai que dans le premier moment après séisme, tu as un souci pour tout le monde courir pour tes bourrades pour répondre à des besoins urgents. Mais je dis, à plusieurs jours passés, c'est vrai toujours une urgence, mais une nécessité, je dis, pour un minimum de coordination qui fait pour éviter que tu aies deux zones qui gagnent plus de bagages qu'à joindre. Nous d'accord que je dis, pas qu'un moyen pour une zone qui répond à tout besoin que quelqu'un qui gagne la donne. D'ailleurs, en 20 catastrophes, la réalité, ça a noté loin. Jodia, mon coin est encore pire. Mais tout, il n'est pas évident que Jodia a des zones côté aide-là, ou bien côté support, yo, ou bien côté manifestation de solidarité, yo, fait sentir plus qu'on l'autre, ou bien faire au senti, et puis de l'autre côté, pas gagner aucun signe de solidarité. Donc, il est important pour un minimum de coordination qui fait dans ce sens-là, et c'est ça que fait quoi que l'important des manches protection civile là, qui pour permettre que vous canalisez aide là vers des côtés que quoi qui vraiment en nécessité, vers des côtés que vous n'avez pas souvent touché dans des manches pour que vous allez faire solidarité à mon. Mais ça qui est important, tout ces réunions, c'est que paysans mi-pays d'Haïti qui commençaient à manifester solidarité envers nous, yo fait à travers divers moyens. Moi, que pays États-Unis, par exemple, au-delà de peut-être moyens matériels que le banou, mais le banou, ressources humaines, tout, des sauveteurs, des gens qui gagnent spécialistes, qui spécialisés dans la gestion catastrophe ça yo, qui débarquaient sur le territoire pour aller bailler coup de main avec responsable protection civile, yo, responsable dans le niveau forces armées d'Haïti, qui souterrain, qui travaille depuis samedi 14 août là, pour capable permettre qu'il y ait des résultats probants qui joignent plus de 4 jours souvelés après catastrophe ça. Donc pourquoi que l'important pour que gagnons une canalisation de aide ça qui fait. Autant que Venezuela, m'kwe, déjà lui-même tout souterrain et qui t'est porté aide ban nous. Donc pays manifesté volonté pour yo bay gagnent qui déjà présent souterrain, il y a des promesses qui fait tout, il y a des fonds qui annoncé que a débloqué l'Union européenne Québec qui a annoncé la supporter pays d'Haïti, il y a un fonds tout gagnent comme assurance en cas de catastrophe naturelle qui a dû débloquer incessamment pour aider pays à faire face à situation ça. Donc jodi a au-delà de peut-être tout effort qu'a fait là, mais bon préoccupation tout pour que aide là lui-même tout, lui aller vers Mounio et lui produit contrairement à l'agence qu'on fait
des résultats probants sous réalité nous avons vécu aujourd'hui. Et faut que les gens nous disent là, pas seulement arrêter dans la grande ville, pas arrêter dans le chef lieu, pour pas arrêter au Caire, pour pas arrêter Miragua, nous soit arrêter Jérémy seulement, mais faut que nous tenions compte de la réalité monde qui dans la section. En plus, fois, nous oublions les gens. Et aujourd'hui, l'information qui est disponible fait quoi dans pile victime dans la section. Donc c'est peut-être ça le plus important, le plus impératif pour que une bonne coordination, bonne gestion, pour assurer que tout le monde qui est victime se rejoigne et il joigne ça, il doit joindre en fonction de Jean Edla arrivé ici dans Haïti, Jean Autorité organisé Edla. Le numéro de téléphone protection civile mettait disponible pour les gens qui souhaitaient aider ou soit accompagner 46 05 05 05, 46 05 05 05, ou soit capable d'écrire tout dans le secrétariat à commercial protection civile.gouv.ht. Secrétariat SECRETARIAT à commercial protection civile.gouv.ht, ou soit relé dans 46 05 05 05. Et protection civile quoi, des massacres capables d'aider, gagnons plus bon coordination, plus bon gestion de aide là, pour que tout le monde ne pas gonfle en seul côté, pour que les gens qui n'arrivent pas à rien, pendant que les partis qui jouent presque plus fort ça, mais tout pour que aide là arrive tout le monde. Parce que là, 4 jours après, il y a des besoins, il y a besoin de tente, il y a besoin de bâche, il y a besoin de prix là, il y a besoin de l'eau, il y a besoin de manger, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est des bagages qui ne peuvent pas attendre. Là, il est fondamental parce que je pense que pendant, nous parlons pour nous faire si par la correspondance, nous parlons connaître, est-ce que jeudi, il y a des besoins, comment c'est satisfait? Est-ce que il y a des gens après 4 jours ça ou là qui commencent à joindre ça qui déjà planifié, qui sortit Port-au-Prince ou bien dans l'autre pays? Mais avant de parler avec Gérald Guillaume, Gagné un habitant dans la zone de Miragouane que l'équipe TNH a rencontré, qui t'a parlé de quelques difficultés, n'est-ce pas, moun nan zone reculée ou après face, de surtout garder réalité moun Pestel. Pestel, c'est une commune qui touche sévèrement, mes amis. Alors Jimmy, si vous pouvez permettre téléspectatrices, téléspectateurs, internautes nous, suivre réactions amis ça, et TNH t'a parlé à Cli pendant nous t'es dans le sud, dans le grand sud pays, pour nous fournir garder qui ça, goudou goudou 14 août là, la cause. Image au pareil, on a regardé ensemble, on a tourné tout de suite après. Nous ne pouvons pas dire ça, il n'y a pas de l'eau. Donc, dans Pestel, tout le système est au fond, il n'y a pas de l'eau. Nous avons demandé la solidarité nationale et internationale pour les gens qui ont été pour dans le Grand Sud. Dans les Anglais, dans Okaï, dans Chardonnier, dans Chantal, dans Dussis, dans Béro, dans Tempéré, c'est tête chargée net dans toute zone pour aller du Chiti, Pestel, Beaumont, Corail, les îles Caïdes. Il y a une grosse urgence derrière. Il n'y a pas de l'eau, pas de Prela, pas de Caïdes. Donc ça c'est une urgence. Et nous n'avons pas de manger. Ça c'est notre nécessité encore. Mais nous ne pouvons pas manger. On nous côté pour nous arrêter. Pour nous là, si la pluie est venue. On nous a monde qui a souffert avec la deuxième intervention. Nous avons demandé l'État ici pour nous là. S'il vient d'hélicoptère, même si c'est loué ou bien prêté dans l'autre pays, demandez au concours pour y aller dans Grandos, dans Pestel, parce que même dans le plan là, nous ne pouvons pas monter dans le plan. Et l'urgence là, qui fait sentir, pour demander une solidarité nationale et internationale pour nous venir. Donc nous avons demandé pour être bien canalisé, pour une bonne coordination. C'est le monde qui a besoin, c'est le monde qui a nécessité pour être là où il est besoin. Voilà, c'est un message qui est important pour que gagner un coup de main, un bourrade qui vote pour toute victime, quel que soit côté où il est, tout le monde grand studio, une grande ville, une section comme nous. Alors, je dis, il faut que nous pas seulement chita et dans la ville, dans le chef lieu, mais il faut aller dans la section pour nous assurer que tout le monde arrive à joindre, mais il y a des bails qui pressent là. Avec la pluie qui est tombée, qui est capable de continuer à tomber, nous voyons ça, et grâce, même s'il est tout en dépression, mais il fait dégâts, puisque nous connaissons un pays qui est très vulnérable. Je vous dis, nous avons besoin d'un espace pour être capable de passer la nuit. Et là, et tant que là, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de manger. Jean-Zamia, tu as précisé la micro-télévision nationale d'Haïti. Bon, c'est sa réalité. Il faut que nous comprenions que aujourd'hui, il y a gagné des besoins urgents dans le niveau Grand Sud, là, et particulièrement dans différentes communes, et voire sections communales, côté qui touchées par le passage tremblement de terre. Là, nous avons dit, et nous avons fait plusieurs tweets sur cause ça, et rappeler que, par exemple, un département de Kouni, c'est un département qui a 11 communes, avec 37 sections communales. Son département côté ville Miragouane, chef lieu département, pas vraiment touché. D'ailleurs, pas dans un cas de décès au niveau Miragouane.
et par rapport à tremblement de terre là. Alors que dans le niveau de l'asile, il y a plus d'une cinquantaine de monde qui mourit. Donc il est certain que si vous concentrez sur le fait à Soumiraguane, ou t'as une sensation que le département n'est pas gagné. Alors que l'asile, côté il y a plus de 50 personnes qui mourent, plusieurs milliers de maisons qui détruites, il y a d'autres qui sont endommagées, il y a plusieurs milliers de familles qui sont sinistrées dans le niveau commune, ça, dans le niveau section communale qui constitue la commune, ça, on peut rendre compte que c'est un département qui est très touché. Plaisance du Sud, son côté qui est en pile monde qui est dans une situation difficile dans le moment. On a parlé là. Petit Trou, Baradère, Arnaud, en Savo, c'est des côtés qui vraiment touchés, qui vraiment impactés par le passage du tremblement de terre là. Il est évident que je dis à Soupra aller dans le département NIP, Soupra aller dans le Grand Sud d'abord, il faut penser à NIP. Et Soupra aller dans NIP, il est important pour penser à la commune Sayo, commune qui peut reculer par rapport à centre-ville ou par rapport à chef-lieu département. Et c'est seulement comme ça qu'on est capable de porter en aide et afficher certaines rationalités dans la distribution d'aide là, dans la manifestation de solidarité ça, à l'égard de monde qui est dans le Grand Sud, qui est dans le NIP, qui est dans le Sud, avec le grand pays. Premier correspondant à recevoir à Soya dans l'émission spéciale ça, c'est Gérald Guillaume. Je, depuis 14 d'août, elle a partagé information utile, c'est ça, besoin dans le moment ça. Nous pourrons très certainement gagner à soir sur télévision nationale, dernière précision sur comment la situation est dans le département Gandos, un département qui prend gros frappe samedi 14 d'août. Gérald, merci en pile parce qu'on est disponible pour nous à soir. Comment ça y est dans Gandos? Bonsoir à votre confrère qui est sous panel là, bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les internautes de télévision nationale d'Haïti. Mais nous sommes toujours là pour nous capables de partager ensemble avec vous cette information qui est vraiment utile. On dit concernant le bilan partiel, mais jusqu'à présent, le bilan partiel n'a toujours pas grandi. Et nous passons à 218 morts, gagnent 29 personnes qui disparaissent, gagnent 5 personnes qui rejoignent parmi les qui disparaissent. Pour blessés, gagnent 1764 blessés. Maisons détruites, gagnent 16 994 maisons qui détruites. Et maison qui est endommagée, qui est 33 694 maisons qui est endommagées. C'est qui a trait à la question infrastructure scolaire, qui est 56 écoles qui détruit, et qui est 71 écoles qui est endommagées. Centre santé, qui est 2 centres de santé qui détruit complètement, c'est la Tibolier avec Carouchal, et qui est 9 centres de santé qui est endommagé. Infrastructure l'église, qui est 19 églises qui détruit, et qui est 41 autres églises qui est endommagées. Et population qui sinistrée, il y a 53 145 familles qui sinistrées dans le département de Gandos. On dit qu'il y a une absence tout, quelques données dans quelques sections communales qui sont à Kazé, ou bien Maïsgayo, qui pour qu'on arrive à collecter ensemble de données à cause de questions d'accès et population sinistrée, vraiment impatient. On dit qu'il y a un passage de tempête tropicale Grasse-Tou qui est compliqué la situation Mounio pendant deux jours passé là-haut à cause de la pluie à vent qui a gagné, qui est en pilote caille qui vient craser, des fissures écrasées, et la pluie à traquer Mounio dans la rue. On dit que jeudi, il y a une mission sauveteur Nations Unies qui rentre dans le Jérémy, qui est 18 personnes là-dedans, côté que lui-même, il va faire des activités demain pendant 5 jours. Sous le département de la distribution de l'eau qui fait sous Corail et le Beaumont, il y a une distribution de la chaude qui fait pour saluer Mme Pediani, qui même qui s'est responsable d'un dépôt de distribution de produits pharmaceutiques dans Port-au-Prince, Mme Pediani, qui contribue en pile dans la distribution de l'eau sous Ville de Jérémy, plusieurs milliers de litres de l'eau, et puis tout, qui contribue tout dans la question de la chaude dans divers quartiers populaires qui frappaient à cette section communale. Chapeau pour que tout le monde qui est dans la société civile là, qui continue à faire la solidarité avec nous dans le département de l'instant, puisque jusqu'à présent, il y a beaucoup d'aide de l'État et d'attendre. Comme dit qu'il y a une mission Médecins sans frontières qui est au même cap frappé, il y a fait évaluation dans diverses zones, il y a fait un survol en hélicoptère dans une zone qui est plus compliquée pour la poussine, il y a tout dans l'évaluation aérienne. Il y a une USAID, fait évacuation dans l'hélicoptère environ 30 blessés dans une poussine, commune Roseau, localité Foncochon, qui a un peu de problème, qui a environ une centaine de monde qui était blessé, qui était dans une sac où un médecin ou bien infirmier du tout, qui est évacué vers Port-au-Prince grâce à support de USAID à bord hélicoptère.
Il y a une situation qui retient l'attention de nous en pire, cette situation concrétement, l'entrée pont qui est dans très très mauvais état par rapport à l'outil qui est coupé. L'autorité Mirio obligée de prendre une décision de la police pour pouvoir louer, pas traverser pour moi. Il y a une situation qui va en pire marche gonflé, en pire camion, puisque il a dû traverser pour moi pour entrer dans la ville de Jérémy, mais qui fait que lui-même, il y a un problème. On dit qu'au niveau du département de l'instant, parmi l'état qui fait évaluation des dégâts, a besoin de pas de abri dans le département, pas de aucun camp, mais plutôt qu'il y a des regroupements de monde dans plusieurs communes que nous visitons déjà. Côté que mon choix, ils sont là pour, ou bien soit en paquet caïtol, tout nous écraser, c'est là que nous regroupons en famille, avec l'autre famille, pour manger, partager ça avec ensemble. En plus, le monde qui vient rouler à cause, dans le premier moment, yo, était plus évacué, le monde qui vient sans souillot, mais on pas tenir compte à monde qui vient cassé, qui n'a pas sans souillot, et en plus, le monde nous rencontre surtout dans la commune, pour monde, et le monde savait qu'il faut qu'on vienne soin, qui a fait diligence pour qu'on permette de venir soin. On dit qu'au niveau de l'hôpital Saint-Antoine, premier groupe monde qui dérivait yo, environ 60 comme ça, ils ont déjà joint soins qui ont nécessité et santé au staff, il y a environ 60 qui exercent et pour qu'on y ait environ 40 autres qui prennent soin, soit qui méritent intervention chirurgicale, et une façon pour capable de joindre soins qui ont nécessité. On dit qu'il y a FAES, qui a 3 camions types alimentaires qui arrivent sur le département de Grenoble, mais qui peuvent contribuer puisque il va faire arriver. On dit tout qu'il y a un pile vol hélicoptère avec avion qui a fait ce département, un pile avion avec hélicoptère après la navette depuis avant-hier jusqu'à matin, après-midi, et spécialement sous ville Jérémy. Et on dit qu'il y a un pile inquiétude pour côté population de Grenoble, qui est impatient, capitaine est l'État, qui pour capitaine est l'État. Et on dit qu'au niveau logistique, coordination départementale, protection civile, là, il y a un pile problème logistique, puisque même un pile copie bagageur ne peut chercher sauveteur qui a gagné environ 5 tonnes de matériel pour être déposé, puisque c'était environ 18, ça a un pile péripétie avant de rejoindre 2-3 machines qui est ONG, qui pour avoir le support pour être capable à le faire travailler. En plus, le monde de la population a une inquiétude sur la question Grand Sud. Là. Nous ne pouvons pas parler que Grand Danse a le pays pour Kassia par rapport à un traitement de la traité Grand Danse par rapport à la question Grand Sud. Là. Je souhaitais nous parler plus de département Sud là, qui est au Kaila, donc comme chef lieu, et département Grand Danse qui est Jérémy, en façon pour que Grand Danse ne soit pas traité en parent pauvre par rapport à l'aide qui t'a doué à joindre la population et surtout Grand Danse qui sont en zone géographiquement. Accès extrêmement difficile dans plusieurs communes. Vous pouvez comprendre que les communes n'ont pas vraiment de moyens pour répondre à prévenir et urgence. Et nous avons déjà commencé dans la partie sacrée des relèvements. Mais cependant, besoin en pile, surtout besoin financier pour fonctionnement, coordination département de la protection civile, là, besoin en matériel et besoin en logistique qui est vraiment, vraiment important. Parce que même sauveteur qui vient là, il y a besoin de venir dans des communes assez difficiles, mais il n'y a pas de moyens logistiques vraiment à la disposition pour être capable de faire travailler. Est-ce qu'il a toujours continué à faire opération déblayage là, et Gérald Guillaume? Malheureusement, opération déblayage n'a pas continué. Il y a un peu de communes qui ne sont pas déblayées parce que manque de matériel. Et on dit que TPDC perdit un gros matériel qui sont au lot. Nous avons dit dans la route pendant que nous déployé à cause de passage de tempête grave, mais il y a un matériel qui roulait dans la ville en bas. Une situation qui fait que le département perdit un gros matériel qui était caillé par rapport à la situation nous y là. On dit que le pouvoir central là lui-même faut sous école puisque la population est dans une situation difficile 5 jours après, aide l'État pour arriver, aide ONG pour arriver, c'est quelque particulier dans la société civile là. Qui fait qu'ils sont arrivés, c'est qui ça, c'est plus l'eau qui arrive avec médicaments. Maintenant, nous avons besoin de prix là, nous avons besoin de tente, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de kit d'hygiène, nous avons besoin de kit alimentaire par rapport à la situation qu'il y a à vivre aujourd'hui. Et n'a pas répété encore, c'est que dans une situation difficile d'accès et qu'il y a des zones, c'est seulement sur vol en hélicoptère, car maintenant là d'ailleurs, par exemple, Massanga, qui ont une situation tête chargée, poussine dans la commune. Mais il y a un convoi humanitaire que le responsable de protection civile a annoncé qui prend direction Grand Sud là. Il n'y a pas arrivé dans le niveau Grand Danse? Pourquoi il n'y a aucun convoi qui arrive dans le département Grand Danse non, sauf sauveteur qui arrive par hélicoptère avec Médecins sans frontières qui a un groupe qui a fait des opérations
avec diverses ONG qui des monde qui viennent faire évaluation, viennent garder, mais aide réelle dans matière d'urgence telle que l'eau, manger et kit d'hygiène, ça va beaucoup arriver à une population. Jean Doulan, pas gain camp, pas gain camp, mais plutôt gagner des regroupements dans des zones côté mon recoupé, soit dans la rue, soit en bas quelque tôle côté que tout mieux écrasé, mais recoupé là. Vous avez dit à la Fayès est arrivé avec manger. Est-ce que il y a trois camions Fayès qui arrivent à manger, mais qui pourquoi aller à destination, puisque tu dois aller Corail, Pestel et Beaumont, des zones qui extrêmement ont besoin. Ça pourrait être parce qu'il y a travail sous coordination pour ça qu'a fait le plus vite que possible, suivant l'information que nous fait confiance. Vous dites le plus vite que possible. Ça veut dire qui ça? Demain, après-demain? C'est-à-dire demain si tu veux ou plus tard. Demain si je veux. Suivant sa responsabilité, vous êtes connu. On dit que dans un compte coordination départementale, là, il y a un bail que nous avons constaté. Pas de pile directeur départementaux qui arrivait participer dans un compte coordination départementale. Là, on ne va pas prendre pour quelle raison. C'est plus ONG qui est présent et une situation anti-hygiène délicate. Parce que il y a un kit d'hygiène qui a besoin, il y a un kit pour bébé, pour tout le monde entre 0 à 5 ans. Question pour les radios, tout le monde qui vit avec handicap. Et c'est des secteurs qui vivent à des situations extrêmement difficiles. Et on connaît que BNC, Sojé Bank, c'est une deux parmi les banques d'Angandance qui est vraiment touchée. Et nous connaissons l'autre commune, nous pas banque, c'est tout concentré dans la commune de Jérémy qui gagne seulement ce qui sale de BNC et on ce qui sale de Sojé Bank. Alors, banque est beaucoup qu'à l'ouvrir, si vous comprenez bien. Il est beaucoup qu'à l'ouvrir parce qu'il y a plein d'évaluations, puisque BNC a en pile fracture et Sojé Bank tout a en pile fracture. Et maison de transfert, yo. Maison de transfert, il y a deux ou trois noms qui ouvert, c'est plus CAM qui ouvert, environ deux ou trois qui ouvert. Mais affluence monde qui arrive là-dedans, c'est bagaille tête chargée, pas facile du tout pour le monde récupérer en l'argent transfert pour lui. Et même côté qui est mon cachot, il y a vraiment débordé. Et de temps en temps, signal là à couper, monter, descendre. Et qui va faciliter l'accès à ce service-là. Dernière fois, nous t'ai parlé, Gérald Guillaume, vous t'ai fait nous connaître, une rencontre qui t'a faite à diverses entités dans l'État, avec acteurs dans la société civile, pour voir comment on est capable de planifier une plus bonne coordination de aide-là. Qui suivi qui bat après rencontre ça? Suivi qui bat, c'est que toute aide qui a pris dans le département, quelle que soit en espèce ou en nature, elle doit passer directement par la coordination départementale de la protection civile, en façon pour le bien coordonner et distribuer à l'écoute de l'UNR. Est-ce que ça a commencé fait? Naturellement, toute rencontre est faite. Je vous dis, on fait rencontre, préparer toute action, tout cluster, chaque secteur, puisque toute ONG ou bien toute entité dans l'État qui travaille dans la santé, de travail sous coordination, direction départementale sanitaire, qui doit dire, mais qui côté le besoin, mais qui ça le besoin, ça qui a infrastructure même genre avec les PTC. Ça qui a ouais, à aide sociale, c'est le ministère des Affaires sociales, pour chaque infrastructure d'éducation, protection sociale, santé, chaque capable de respecter un an d'intervention en façon pour que l'aide arrive bien coordonnée. Parce que pendant j'en dis, il y a une contrainte fondamentale, c'est que absence de moyens de logistique, surtout moyens de déplacement, moyens de locomotion pour acteurs, au niveau de coordination de protection civile, là, il y a une seule machine qui sont au talent de qui pour déplacement, directeur départemental là seulement, agent yo pas de moyens pour déplacer, pas de motocyclette, pas de l'autre machine, intervention pour faire, brigadier yo pas de moyens pour déplacer, pour aller faire opération, temps en temps, c'est même brigadier ça yo qui utilise pour aller porter mon alter radiographie au niveau de l'hôpital là, déplacer avec eux, soutenir yo, yo pas de vraiment moyens pour déplacer. Et même la police au niveau département, pas de assez de moyens puisque nous pensons qu'il y a deux machines. Il y en a au niveau de l'IDMO et il y en a au niveau de la direction départementale. Là. Parce que là, on ne peut pas faire un compte. Là, on ne peut pas faire un compte. Cependant, la rencontre fait, puisque Coudlan, qui est le centre d'opération d'urgence départementale, là, l'est activé, toujours une rencontre plusieurs secteurs pour planifier. Mais cependant, c'est Edio qui peut arriver réellement au niveau département pour capable faciliter. Distribution pour faciliter aide là à joindre mon autre qui presque est patient. 5 jours après, situation vraiment compliquée. Là maintenant, on a pile plein pour section communale. On a pile parlé pour fond cochon, pour passer qui très certainement pral continuer et ben nous toute information relative à comment réalité aille dans le département Gadas. Gérald qui déjà dit nous
yo recensé 218 moun ki perdu la vi yo, gen 29 moun disparèt, men nan 29 la gen 5 yo rejoine. Gagné opération de béage, je le dis, nous qui pas continuer. Gérald Guillaume qui parlait de diverses rencontres qui faites pour assurer une bonne coordination de aide là. Gérald Guillaume qui fait connaître gagné dans Poussine, dans la zone Roseau, gagné arrivé, retiré en pile monde qui était besoin d'accompagnement médical. Puis nous qui avons besoin de bourrade médicale, ils ont transféré vers Port-au-Prince et l'hélicoptère USAID qui assurait le transport. Ça. Maintenant, Gérald a demandé pour que l'aide qui a sorti bon côté, autorité dans l'État, autorité dans le pouvoir central, pour qu'elle aille plus vite, parce que là maintenant, nous avons une situation extrêmement difficile. Et Gérald Guillaume a mentionné tout. Mais Mungadès, pas la souhaité, pendant qu'on parle de Grand Sud, là, oublié que Jérémy, là, et toute l'autre commune, Pestel, Roseau, pour que chaque fois qu'on dit Grand Sud, ne peut pas forcément, ouais, ville au Caille, et peut pas forcément, ouais, département Sud, là, seulement, puisque Grand-Est, là, c'est un le département qui prend gros frappe après passage tremblement de terre, 14 d'août 2021. Est-ce que nous rejoignons? Oui. Nous parlons de avant de retourner à Jérémy, puisque communication très difficile pour quoi il y a avec Gérald. Alors, Jimmy, nous allons traverser la NIP avec Kenny Vincent. Oui, nous parlons de NIP. NIP, c'est confrère nous dans Radio Caribéen, dans Miragouane, qui est toujours informé nous. D'ailleurs, depuis 14 d'août, là, il est toujours à payer bonne dernière information qui vient sous le département. Ça, un département que nous aimons attirer l'attention de nous, puisque il y a tendance pour quitter de côté dans des démarches qui ont fait pour aller solidariser avec le Grand Sud qui est touché par tremblement de terre 14 d'août. Là, James Jean-Louis, qui est ensemble avec nous, nous remercions d'ailleurs pour disponibilité. James Kijonye, et comment dernier nouvelle nous est sous département du plan? Bonsoir Kelly, bonsoir à tout un auditeur, auditrice Radio-Télévision Nationale. C'est toujours un plaisir hein, pour que nous-mêmes nous intervenions sous Mediasa, justement pour que nous sommes capables d'informer et public là, à l'échelle nationale et internationale sur ça qui a passé, particulièrement au niveau du département des NIP, qui lui-même a grandement touché par une catastrophe en 14 ans d'Aoussa, côté que gagnaient plusieurs communes dans le département de NIP qui sont victimes et un pile monde en victime. Et donc on est, ça déjà, on n'a pas besoin de retourner sur ça. Bon, dans le moment que nous avons parlé là, nous connaissons une commune en tant qu'Arnaud, une commune en tant que Plaisance, une commune en tant que Baradère, mais particulièrement la ville en petit trou. C'est des communes qui gravement secouées par un tremblement de terre dévastateur et qui ont même une situation pour y attendre, comme on est capable de dire ça, qui attendent une assistance, qui attendent une présence en l'État. Jeudi a fait presque quatre jours après et c'est pour ça, mais il faut que nous disions qu'en termes de présence en l'État qui a supposé porter réponse, non, pour nous pas dire que pas rien qui fait, mais il faut que nous disions que c'est de manière qui est vraiment lent qu'a fait. À part en deuxième jour là, le 15, nous avons compté durée, poire, bon, durée des saumons avec spaghetti, quelque chose de ce genre, que vous voulez sous département, qui lui-même a délégué départemental là, comme on l'a dit, lui-même qui était en charge pour que le coordonner question ça. Nous connaissons que nous avons une partie là-dedans qui est distribuée sous une commune d'un pour l'asile, en 800, et nous avons une partie qui est distribuée sous zone en Savo. Après ça, c'est Arnaud avec un petit trou que nous même et tu dis ça, les mêmes distribués. Mais Savo, il est très minime par rapport avec une demande que la population elle-même a gagné. On nous dit que, en termes de prix là, parce que je vous dis à là, si il y a un bagage qui est clair, c'est que tout le monde, même il n'y a pas gagné côté priorité, il y a dehors dans la rue. Et pourtant, il n'y a pas gagné tente, il n'y a pas gagné prélat, il n'y a pas gagné caille pour que même priorité, il y a dormi à même à la belle étoile, alors que la pluie lui-même l'a tombé et nous songeons l'autre hier là, gagné tempête, ça qui est les grâces, et bien qui pas fait grâce ensemble avec la population des temps, lorsque lui-même était mouillé. Et normalement. C'est vrai qu'à l'échelle nationale, on avait gagné
des ministres qui ont même délégué sous chacun département. Dans le niveau département NIP, nous connaissons que il y a un ministre Luce Culta Cassandra François, qui lui-même est ministre en tourisme, qui lui-même est supposé et en chargé de département de NIP. Dernière information au fait que nous faisons connaître que lui est entré en contact ensemble avec le délégué départemental là, M. Morel et M. Amira, et demain, si Dieu veut, il a supposé dans le niveau département, qui s'appelle la BINPE, est-ce que la BIN a vérifié comment question est, est-ce que il y a un rapport qui est allé pour au prince, est-ce que lui-même l'a béni pour que l'hypothèse des solutions, est-ce que c'est observé que la BIN observé. Nous, pas forcément qu'on est, mais on a pris la disposition dans le niveau panneau pour que nous-mêmes nous voyons qui ça, que le ministre Cassandra François, Luce et Kyota, qui est ministre en tourisme, lui-même l'a bien réglé sous le département de Bessie. En autre 10 jours, il y a également Kenly, qui est ministre de l'Éducation nationale là, qui c'est Madame Marie-Lucie Joseph, qui lui-même a fait une visite en un niveau département, il était passé la ville, il était Miravoine, il était rencontré le directeur départemental en santé et éducation nationale, M. Odel Joseph, et également il était rencontré ensemble avec un sénateur république là, dans le niveau département, un sénateur Dédicado. Maintenant, si que nous bien comprenons l'objectif là, c'est un objectif, c'est une visite d'évaluation pour garder le niveau des gars, surtout dans le secteur éducation, et garder à l'avenir qui réponse à qui est capable de porter à court terme, à moyen terme et à long terme. Ok, mais si ça fait nous-mêmes, nous sommes capables de dire, après ça, qui ça fait nous capables de retenir pendant le jour, mais jeudi, ok, il y a un sénateur J.P. Chérubin, qui est même dans le département NIP, jeudi, particulièrement dans la commune, dans la ville, l'Itéry Véroès, en Mili, sénateur François Denis, je connais sénateur François, c'est sénateur, c'est mon asile, je l'ai même lié, la Caligote va toucher. Eh bien, aujourd'hui, le sénateur J.P. Chérubin a fait l'accompagner avec un 500 kits, un 500 kits bail durée, et puis avec un millier bail d'eau, et sur l'information que nous gagnons, qui t'a sauté sur demande du sénateur Joseph Lambert, eh bien, qui est arrivé dans la ville aujourd'hui, pour garder comment que vous êtes capable d'en bailler une sorte de solidarité. Mais toujours est-il ça, c'est des actions individuelles que des amis ont même y a fait, mais l'État lui-même en termes de réponse, non. Moi, je ne parle pas ensemble avec des autorités, par exemple en termes de prélat, pas un prélat qui baille, c'est vrai que OIM te promet que lui-même en lien, quelques prélats que l'a distribué sous une série commune, par exemple, qui était à nous et qui était petit trou, ou du moins sans l'asile. Mais juste dans le moment que nous parlons là, nous pouvons voir la distribution ça y est, qui effectif en sous département NIP. Dans le niveau délégation, il faut que nous disions que nous avons un communiqué qui sortit, qui a une signature en délégué départemental là, la dernière, M. Mouel Espérant Bira, qui encourageait tout un opérateur, tout un partenaire qui ont même appris pour qu'ils agissent dans le niveau département de plan pour qu'ils prennent un ordre de route dans le niveau délégation pour faciliter une meilleure coordination de l'aide là, notre acteur qui a pas monté descendre sur le département, nous parfois que même ils ont respecté circulaire ça, ou bien communiqué ça, qui sont dans le niveau délégation. N'a bien pendant reste en semaine là, d'ici demain si je veux et week-end là, pour nous garder est-ce que ça a entré en application. Bon, un autre aspect que moi, madame, là, tout l'attention sur Ligue en Ligue, c'est le fait que même j'en rends compte que gagner, ils ont négligé par rapport avec le grand, avec le sud, la grandeur, mais c'est même gens tout en dedans, nous, dans tout, il y a une autre commune qui est victime, mais ils n'ont pas mis des focus sur eux, c'est, par exemple, il n'y a pas de l'asile, il n'y a pas de baradère, il n'y a pas de petits trous, mais oubliez, une commune tant pour, plaisant, qui est vraiment touché, alors que, moi, m'a posé des questions pour ça passer, mon magistrat présent, les mêmes, il y a abordé absent, il n'y a pas parlé, et du coup, pas forcément, il y a deux mondes qui prend parti pour plaisance, mais plaisance, c'est une zone qui est vraiment, vraiment touchée, zone liée, par exemple, c'est une zone très, très, très touchée, alors que pas une grande chose qui dit pour nous, et pas une aide qui est orientée vers nous-mêmes. Et c'est peut-être un même cas de figure-là,
pour deux zones comme Arnaud, qui lui-même est grandement touché par un tremblement de terre, hein, mais qui pas forcément gagne de gros focus qui fait sur eux. Et c'est une raison fait que il y a un ensemble d'initiatives personnelles que tout le monde apprend, de groupes apprend, par exemple, nous-mêmes, à un niveau Café Philo, Association culturelle Café Philo, particulièrement Café Philo Saint-Michel, Café Philo Miagouane, nous avons gardé pour que nous voyons comment que nous-mêmes sommes capables de porter de support, mais ça aussi de action individuelle, comme si de monde qui est dans la société civile là, il y aurait même après. Même j'entoure, il y a rien de groupe organisé dans la société civile là, qui ont même plein d'initiatives, il y a de jeunes qui prennent de l'initiative. Par exemple, je tiens, nous connaissons que l'équipe de radio Caribé NFM, ils ont même été débarqués la ville pour te porter support, bail, ensemble avec le monde qui est victime. C'est-à-dire que nous élan de solidarité, comme on a capable de dire, qui est développé dans les niveaux département, surtout dans la commune de Miragouane, pour porter support en bail et zone SAO qui est victime, qui sait en termes de vêtements, en termes de toilettes papier, ou bien ça n'a pas brûlé matériel hygiénique, ou du moins en l'eau, nourriture, tout et tout, et bien gagner un élan de solidarité que nous-mêmes nous rendons compte qu'à manifester, en attendant que l'État lui-même en lui porter et porte par lui, non. Dans la communauté qui est même très très victime. Bon, il faut que nous gardions comment ça lui-même la gale évolue, parce que nous connaissons que l'État a besoin de période d'observation pour que mieux comprendre ce qu'a fait là, collecter des données. Mais je dis à toutes données, je pense que vous même clair, vous êtes disponible pour y avoir ces actions qui a fait. Et c'est une raison fait que d'ici fin semaine là, demain, je veux jeudi, vendredi et tout week-end là, nous allons regarder pour nous en termes de réponse en concret qui ça, qui prend un gain pour fête autour du département et pour que nous ayons un sujet de réponse en durable à porter. Par exemple, je dis à tout le monde en battant, pas gagner pas en battant, tout le monde en battant, en battant, tout le monde 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 en battant, c'est-à-dire que bonne réponse en un niveau ça qui est supposé voter, et bien nous-mêmes la suivant qui ça fait évolution à l'économie alliée et pour nous capables de communiquer ensemble avec un auditoire, la télévision, la radio, télévision nationale. Merci James, nous avons quelques questions pour nous garder des précisions particulières par rapport à la réalité des patrimoines pleins. Nous connaissons la pluie qui tombe sous PIA pendant le passage de tempête tropicale grâce sous Haïti, particulièrement la pluie qui tombe sous département Nip. C'est la cause que des gens qui ont décidé de rentrer dans l'espace ou bien dans le cas que estimé qui était Kakembe, même si pour la plupart, c'est des risques qu'on prend. Nous apprenons que gagner un petit réplique de temps en temps sous département. Jeudi, à même, tu as une réplique dans le département. La réalité, jeudi, est-ce que nous retournons dehors? Est-ce que nous avons qui retournent dans la malgré la réalité, ça? Sa réalité, ça, cas de figure, là, jeudi, dans le département, James. Même les gens qui sont braves, là, pas qu'à rentrer dans la zone en eau, de la ville, des zones. Bon, nous, on dit pas qu'il y a tout, ok? Donc nous entendons sur ça, pas un cas qui était dans une zone tampon, une zone tampon l'asile, une zone tampon plaisante, une zone tampon petit trou et baladère, une zone ça a vraiment dévasté. Mais ça qui est capable de brûler comme caillou, et bien par exemple, quelqu'un qui est droit capable d'entrer en bas. C'est une raison qui fait que mon vie est vulnérable. Imaginons que nous n'avons pas quelqu'un côté priorité, et puis tout on l'a pris lui-même la tombée, et l'État lui-même qui a une responsabilité pour le côté accompagnement, parce que l'État lui-même, c'est le rôle premier que lui-même lui a, et bien l'État lui-même n'est pas présent. C'est son cérémonie lui-même, un cap d'homme à la belle étoile, qui lui-même a bien en bas la pluie, qui a boué serein lorsque c'est pas la pluie, mais qui n'est pas capable de poser, parce que ce coup ça lui-même là, il est très 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 fréquent. Avec exactitude qui magnitude que vous mais c'est une réplique majeure et qui est capable d'inviter plusieurs maisons qui ont même été dans la situation pour que vous finissez tomber et bien les vidéos à terre. Et c'est ça qui fait chaque fois pour la fête, bien des cas qui ont frappé les vidéos à terre. Ça c'est clair. C'est-à-dire que mon yo pas capable d'entrer dans le caillou. Mon yo dehors. C'est vrai que, par exemple, il y a des gens qui font prendre rideau, rat, bagaille pour barrer, mais tout le monde a fait pour que vous gardez la question. C'est à cette vidéo, tant qu'on vient de petit bébé qui est obligé d'abdominer dans ses reins, on va pas maman, on ne parle même pas à l'éducation de l'Ouga ou à tout. Bon, ben, c'est lui-même qui prend la République. C'est que, sous place publique, au côté que mon abdomi, eh bien, on est nous-mêmes dans le pays à genoux, et donc on prend le bagaille, eh bien, les loups, les privés pour sauter. C'est-à-dire que tout ça a réglé en même temps là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que,
lorsque l'État lui-même lui a abonné absent, lorsque l'État lui-même n'a pas porté réponse lui à temps, eh bien, nous sommes exposés avec tout en difficulté naturelle, mais également tout rituel et tout rituel lié en dans pays, à que nous ne sommes pas capables de négliger, eh bien, nous sommes exposés ensemble avec tout ça. C'est-à-dire que son situation difficile, réplique continue, l'appui de très souvent que lui-même lui fait, lui tomber de manière partielle, et chaque magasin, vous mettez dans une situation qui est plus difficile, et qui met dans une situation pour que vous-même vous demandez présence de l'État, et pour que vous mettez au secours. On va suspendre rappeler, James, c'est commune d'Akoulasile, Petite Cour, Arnaud, Ansavo, Baradère, Plaisance du Sud. C'est particulièrement des communes qui touchaient. Et bilan à niveau commune, ça, que ce soit dans sa qui gagne pour perte en vie humaine et en dégâts matériels qui est à la cause de plusieurs milliers de familles sinistrées, ils sont extrêmement lourds. Je dis à qui ça bilan global là sur le département Nipl. On peut partager avec nous, quantité de monde qui mourit, quantité de cailles qui crasent. Si que nous voulons rester plus près, ça qui est capable de réalité, parce que maintenant on a quelque chose là, ok, voilà. Par exemple, si que nous, si nous étions selon un rapport protection civile, hein, ça veut dire que direction comité et direction départementale, gestion avec des assemblées au niveau département des NIP, hein, eh bien, nous fait état de 122 personnes qui mourent, de 704 personnes qui ont même blessé, mais gagné 5360 maisons qui étaient complètement détruites, gagné environ 165 en maisons. 1165 en maison qui est endommagée, mais gagné également 6229 familles qui ont même, comment on est capable de dire là, qui sinistrées, comme qui sinistrées, ça qui baille une idée de comment que le département Niplan lui-même est dévasté, c'est comme si son département qui a genou. Il rappelait, il faut que nous rappelions que le département Niplan, c'est un petit jeune département qui a gagné, qui a créé en 2003, qui déjà lui-même victime d'ensemble d'infrastructures de base, hein, que lui-même va manquer, lui manquer surtout en termes de communication, route, et qui lui-même était capable de permettre interconnexion commune et infrastructures sanitaires même qui déjà pas en grand nombre, sinon l'hôpital culturel de Miragouane, qui lui-même fait office de l'hôpital de référence au niveau départemental, mais qui lui-même tout victime de manque de capacité, problème de ressources humaines, problème matériel également. D'ailleurs, pour prendre en compte que l'idée dépassée par les événements, lorsque le tremblement de terre a fait passer, parce que les pas de moyen pour que les répondre avec en tout cas cabinet. C'est-à-dire que son département qui lui-même frappé de plein fouet et qui demandait de réponses réelles, qui demandait de réponses rapides, parce que c'est un département qui est exposé à tout un danger, surtout que là, lui-même, lui fait ce tremblement de terre là, nous fait ce passer en bas en cyclone. Et puis tout manquer d'infrastructures, c'est-à-dire l'État lui-même en est supposé rapidement venir en réponse avec tout un problème sérieux pour permettre que la population, le département des blancs, lui-même n'est pas sombrer dans une catastrophe hein, qui est capable de pidu, parce que nous connaissons, l'événement va pas passer, mais ça peut passer après l'événement, qui peut nous arriver à contrôler, lui-même est capable et plus grave. Et c'est ça que nous-mêmes nous exposons ensemble avec les gens. James, nous gagnons des communications du ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui annonçait que date yoté kembe pour rentrer des classes là, les toujours kembe, première semaine du mois de septembre. Parallèlement, le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, ou saute rappeler qui était en visite dans le département. Jodi a qui sa réalité secteur ça y est dans le département. En pile l'école casée, en pile l'école endommagée, gain travail qu'a fait pour remettre l'école ça au campé dans perspective rentrer dans la classe ça sont constatés, James Jean-Louis. Je pense que c'était objectif en rencontrant ou bien visitant ça que ministre Marie Lucie Joseph en ministre d'éducation nationale a fait dans le niveau département. C'est un visitant d'évaluation. Pour que vous regardez, par exemple, moi-même qui suis allé ensemble avec le directeur départemental et l'éducation nationale, là, M. Odel Joseph, ça a gagné deux jours, moi, j'ai demandé pour que l'été sauf et faire joindre et bilan ou bien évaluation
dégâts dans ce secteur, ça, qui est le secteur de l'éducation, pour nous garder en termes de combien de professeurs qui sont victimes, combien d'élèves qui sont victimes, combien d'écoles qui sont crasées, combien lycées, l'école nationale, tout et tout, qui sont crasées et dans quel niveau que vous êtes capable de répondre ensemble avec eux. Bon, c'est vrai que le document, ça a été beaucoup arrivé dans même, malgré que vous pouvez me faire suivre sur ça demain si je veux. Mais par contre, c'est vrai que les, par exemple, comme les Miragouane, Fondé-Nègre, Thierry-Pierre, Payan, c'est vrai que l'école est capable de toujours démarrer dans une zone ça ou dans l'activité pour maintenant. Mais il y a comme une temps pour la ville, côté qui paraît qu'il y a un bloc sous bloc, paraît qu'il y a un roche sous roche, paraît qu'il y a un poteau campé. Je pense que l'école est difficile pour que l'UMI reprenne en septembre, dans l'heure qui est prévue, dans zone caillou, par exemple, pour des zones pour baradère. Mais il pensait que là, lui-même, même lorsque l'État a calmé, il bouchait tout pour reconstruire l'école caillou, mais c'est de manière graduelle, parce que zone caillou, lui-même, il va obligé répondre avec une ouverture là, parce que, en termes d'espace d'accueil, eh bien, le problème dans lui-même, il est bien réel, et l'a demandé un petit temps. Bon, sinon, si l'État lui-même, il voulait réellement démarrer ensemble avec ouverture à l'école là, c'est depuis jeudi, avant que nous m'en notions, que nous-mêmes y attendons. Même si nous prenons moins que 15 jours, l'État lui-même lui mettait, lui arrangeait là, qui était fait sans carnaval, par exemple, et bien si l'État lui-même lui voulait ouvrir l'école là vraiment, oui, et bien si c'est deux constructions provisoires que nous-mêmes y a fait, et bien il est capable de faire aménager l'espace pour héberger les petits non, parce que nous-mêmes nous prenons que les affaires sans carnaval, bien rapide là, mobiliser tout le monde. Et c'est peut-être ça pour en pile nous reprocher l'État. Par exemple, il y a deux abdomen dans le terrain, qui a le soleil, alors que nous connaissons que l'État voulait faire de grands stands sur un kilomètre ou bien deux kilomètres, et bien c'est bien vite fait, moins que deux, trois jours, et bien toutes mises en place bien en fait, et bien il y a deux monde dans le département qui pose des questions. Ça fait que pas gagné comme si on branle là, comme ça qui fait pour que vous portez des réponses, c'est de ce qui vient de l'État, et parce que lui-même, il y a les institutions qui sont chargées pour ça, il y a quoi ça à cœur, et porter des réponses qui sont capables d'aller dans la hauteur à tant de population qui lui-même en vérité. Avant d'aller, James, dis-nous nos rencontres sectorielles qui étaient organisées avant hier sous département pour essayer de rationaliser ou bien garantir un minimum de coordination dans la gestion aide la CAPBAI au niveau département. Ils commencent par les résultats, soit ouais. Je sais que pour qu'on ait acteur un peu ouais, au déployer, c'est vrai que moi, pile machine à circuler, moi, en pile. Ça crée des machines qui créent des oreilles, mon cher. Franchement, j'ai l'impression que tout est dans les pieds, tout est bacanès. En pile machine avec piqueurs, organisations, à monter des femmes tout côté dans le département. Mais population lui-même, en termes de service, et bien population lui-même, il faut qu'on joigne service. Si c'est vrai qu'il y a quelques organismes internationaux qui ont même à poser quelques actions, mais les actions sont tellement isolées, ils ont noyé dans vaste exigence ou bien un vaste souci qui gagne, et c'est vraiment des actions qui vraiment noyées que nous ne sommes pas capables de mettre accent sur eux. Ok, maintenant faut que gagne de il faut gagne des actions à grande échelle qui posent qui fait de manière massive et laisse le pas que n'a pas résultat. Au moment que nous avons parlé là, je pense que c'est parole qui gagne. Il y a plus de paroles, il y a plus de réunions, il y a plus blablabla. Mais moi-même, en tant qu'acteur qui est sur terrain, qui a regardé, qui a fait, eh bien, on vient parler ensemble avec la population. Si nous testons la population, surtout dans le niveau côté que le plus besoin de support, par exemple, dans le niveau de tente, en termes de tente, en termes de prélat, en termes de bloc pour bois. Par exemple, il y a deux gros centres, par exemple, de côté de Bonnois, ils viennent ensemble avec de gros centres de kiosques mobiles et qu'ils viennent installer correctement et puis ils font pour aller rapide et puis pour alimenter le monde dans de l'eau. Il y a créé des rivières sur place, il y a des bagages comme ça qu'on fait. Mais là, nous ne sommes pas ouais, nous ne sommes pas ouais, il y a des choses fait là. Nous devons juste quand nous avons des gens de manière personnelle qui a porté des droits qui ont besoin de l'eau, qui a baissé chaque monde des droits de l'eau. Ok, mais le monde a besoin de ça, c'est le doux vidéo avec le soir encore. Ok, et le parlement côté qui a un espace côté que le capable de l'enfurer au fur et à mesure au besoin. Bon, voilà, c'est ça que la situation lui-même liée. En nous tendant pour nous,
comment fin semaine là lui-même là passer et week-end là et début semaine prochaine là pour nous est-ce que et être là a besoin un équilibre parce que on est que grand pile d'hésitation en pile d'hésitation parce qu'en pile on a pas idée contraire idée opposée il faut qu'il y ait une cohabitation parce que des idées contraires et bien pour ça lui-même l'irrive fait la demander un temps pour que Mahonaise allait même lui prendre. Attendons voir pour que nous ayons dans quel niveau que l'encontre après les fêtes, dans qui ça fait capable de porter des résultats. Et nous connaissons le seul résultat qu'on peut porter, c'est lorsque la population a les mêmes sentiments satisfaits et il y a le sentiment que le passé catastrophe là, non pas parce qu'elle va être victime, mais au moins qu'il y a une compte que l'État ou bien deux mondes qui étaient vigiles autour de lui, qui permettent que il est capable de remédier les situations et tirer de leçons de ça qui s'est passé. Merci un pile, James Jean-Louis, pour disponibilité. On a préparé. Et merci Kenny, merci à tous les auditeurs, auditrices, Radio Télévision Nationale. C'est toujours un plaisir pour que nous ayons une contribution. Merci. Voilà, et James Jean-Louis, confrère nous au niveau Miragouane, qui travaille dans Radio Caribéen, qui par James Suspend partager information autour de la réalité département NIP là avec nous. Le département NIP qui c'est une dans trois départements qui touchaient dans le Grand Sud là. Par passage tremblement de terre 14 d'août 2021. Près de 4 jours après passage tremblement de terre là, Sinkoué James, pour qu'on gagne un lien de manière palpable qui fait sous département et particulièrement sous commune qui pi touché et qui d'ailleurs pi reculé par rapport à route nationale numéro 2. On a parlé des communes tant que l'Asile, tant que Plaisance du Sud, tant que Petit Trou de Nip, tant que Baradère, tant que Arnaud à Kansavo. C'est des communes qui vraiment en nécessité, sans oublier des communes tant que Fond des Nègres, là, quand même, qui touchaient tout par passage tremblement de terre là, même si c'est pas dans le même niveau à commune que me cité avant eux. Moi, quoi que bon regard particulier qui doit gagner ou bien qui doit jeter sous département ça, sous principale commune qui touchait eux, pour regarder comment ils sont capables de venir en aide avec eux. Et James s'est informé nous tout, que gagner en pile rencontre, qu'a multiplié dans le niveau département, gagner visite, en plus l'autorité au niveau département, l'annonce que jeudi a été gagné ministre éducation nationale et formation professionnelle là, au niveau département, gagné contact ou bien prise de contact qui fait entre délégation départementale, ni plan avec ministre touriste là, pour regarder comment ils sont capables de mettre pied au terre au niveau département, en espérer que c'est des bagages qui pourra le faire rapidement, puisque jeudi a sa réalité a exigé des réponses urgentes pour que vous capable d'aller vers le monde qui est dans une situation difficile, vers la famille qui est sinistrée. Dans l'occasion de ça, c'est Gino Médor. Définitivement, il faut aller vite, vite et bien. Et vite et bien pour que ne pas faire même UNT fait en 2010, 12 janvier 2010, côté tout le monde vient aide, tout le monde a prêté secours, tout le monde a prêté support. Et au final, un ensemble de monde dans la population qui n'est pas arrivé touché. On souhaitait faire ça, le son tiré de l'expérience 12 janvier 2010, pour que l'aide allait bien canaliser, bien coordonner. C'est le monde qui concerne, qui joigne, et pas seulement l'été dans la grande ville, il y a les tout dans la section communale. L'autre précision, nous sommes capables de faire tout par rapport à la question EDSA et Kenny. Je veux dire, il y a un pile élan de solidarité, il y a un pile monde qui voulait porter coller, qui voulait supporter frère actionnaire qui victime. Il y a des acteurs, il y a des institutions, il y a des organisations qui ont pratique dans accompagner les gens dans des situations difficiles. Alors, nous ne sommes pas obligés pour une direction grand sud pays. Nous connaissons la très difficile. Et ça qui arrive, comme nous pouvons dépenser pour nous aller, nous allons utiliser, pour nous faire quitter plus, pour nous faire 10 quitter plus. Mais si il y a des organisations qui déjà prêts à aller sur le terrain, qui planifient pour aller, c'est les mêmes de confiance, parce que c'est un groupe qui aime tout, nous devons les aider. Mais parfois, il n'y a pas contre qui monde pour chercher aide là, paix pour aider là, pas arriver côté de l'Ouralia. Donc il faut garder qui monde de confiance, qui est institution, qui est organisation de confiance, n'est-ce pas, qui est capable de permettre que aide là arrive jeune sans que nous-mêmes ne pas obligés à aller. Tout le monde n'est pas obligé à aller monter dans le sud là, tout le monde n'est pas obligé à aller prendre direction sud là. Parce que comme nous avons utilisé pour aller, il est capable de servir à aider un frère et soeur qui est dans une situation difficile. Parce que nous avons souhaité sauce là coûter plus cher que poisson. N'est-ce pas? Parce que dans ça, mon Dieu, aujourd'hui, a besoin d'aide tout le monde. Alors, ce n'est pas un moment de Alphonse médiatique, n'est-ce pas, réel, faire photo, ce n'est pas un moment pour nous utiliser vulnérabilité, mon Dieu, pour nous faire capital, pas nous. Mais c'est un moment pour nous aider tout le monde, pour nous porter coller tout le monde, pour nous faire solidarité. Et j'en ai toujours dit ici à la niveau télévision nationale, une solidarité agissante. Solidarité, c'est certainement un mot d'au-delà, mais par rapport à sa réalité aujourd'hui, dans la démarche qu'a faite pour aller en aide à Mounio, nous croyons que
l'important pour que gagner en rationalité, hein. Rationalité, c'est dans Jean aide la praler et rationalité la seule façon pour garantir c'est lorsque ou assure d'un minimum coordination dans sa cap fait là. Nous comprenons velléité voire volonté que en pile monde gagne aujourd'hui a pour porter bourade paio bay compatriote frère accès qui trouvait là qui trouvait en difficulté dans grand sud là, mais il est important pour que nous sentions un minimum de rationalité dans sa cap fait là. Il est évident que aujourd'hui a 15-20 monde dans délégation, si il est pas utile sur le terrain, pas obligé de déplacer pour aller assister les gens qui ont des difficultés, par exemple l'asile. Je dis, ah, lorsque il y a 10-15 personnes qui ont des délégations qui débarquent l'asile pour aider, et là, dans pas des infirmiers, infirmières, pas des médecins, pas des psychologues, pas des travailleurs et de travailleuses sociales, pas des gens qui ont importance capitale dans ce qu'elle fait la déplacer. C'est des gens peut-être pour aller le bois, puisque c'est clair que les gens qui déplacent à la bon bagaille que le café, mais il faut nous comprendre, dans le souci de rationalité, lorsque bon bagaille ou cajon nous mon en bas pour faire pour vous, il est plus intéressant de descendre sans gagner mon ça. Et ce coup que mon ça a, tu as gagné sous équipe, sous délégation, tu es capable de servir de manière efficiente à aider un monde qui a des difficultés côté. Par exemple, je dis, il y a aucun besoin de bras, ou même qui peut-être descendre après là. On descend après là, on prend le nom commune, tant que Chantal dans le département sud, tant que Pestel dans le département Grandance, tant que Lasdil dans le département Nip qui a des difficultés, ou on va décider que nous avons besoin de bras pendant nos rivières, si nous avons un petit temps dans la commune, ça y est, pour regarder comment, ou bien montrer nous comment nous montons tant après là. Il est évident que on jeune des monde dans environnement des monde dans zone qui peut couper poteau qui pourrait démarrer poteau qui pourrait do monter tant là il pas nécessairement impliqué qu'on déplacer avec une quantité monde Port-au-Prince pour faire travail ça alors que son ressource qu'on joindre dans commune qu'on aller a pourvu que on aller justement pour qu'on capable aller aider nous et nous rendre compte qu'on vient pour aider eux. Donc je dis à moi c'est que c'est ça rationalité a impliqué que nous assurer un minimum de coordination dans gestion aide là dans j'en a alimenté aide là dans j'en a porté aide là j'en a manifesté solidarité à bay moun qui dans difficulté dans trois départements qui touchés dans grand sud là n'a parlé de département Nip département Grandance et département sud en parlant de département sud Serginho vraisemblablement dans le sud nous parlons sud et nous parlons sud nous toujours pas passer Carrefour de Ruisseau faut nous dire gagné un responsable en pompe gasoline qui d'accord baille plusieurs gallons gaz à moun qui va 300 gallons ouais pour pote était disponible pour moun qui va pote aide baille dans grand sud là c'est ça on passe Carrefour de Ruisseau vous camper monsieur vérifier effectivement que c'est aide ou baille c'est aide ou baille et puis il mettait gaz pour vous. Là c'est vrai chaque monde de façon pas gain résident l'hôpital général lui que même déplacé à renforcer personnel santé dans grand sud pays. Alors chaque monde à niveau par, moi ça peut pompier Carrefour, fait même exercice ça. Je dis à mes collègues équipe mairie d'Elma, cap voici. Alors chaque monde à niveau par est capable de rendre utile pour aider nous. Ça n'a pas besoin à mettre en kip monde dans zone là juste pour aller. Alors pas qu'on vous dit à mes besoin monde pour aller faire touriste, mais surtout monde qui est capable d'aider, capable de coller ou pas obligé d'aller au carrefour. À partir de son gain, hein, ou d'une organisation, ou d'une institution, qu'on sûr qu'à permettre que l'aide arrive tout bon vrai. Et puis, pour nous, capable, mes amis, qui partent pas, sortir dans ça, vivre, je vous dis, la réalité est un peu plus difficile, surtout dans le niveau section. Nous allons aller, aujourd'hui, à Kenny, dans le sud du pays. Nous allons rejoindre un correspondant, Jean Sénosier d'Espré. Monsieur avec ton avis local, monsieur, je n'ai pas dormi bonheur à soir parce qu'il faut qu'il parle avec TNH. C'est monsieur, bonsoir, comment est-ce que vous êtes? Salut tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Nous en forme. Bon, vous dites en forme, mais je connais après ça qui passe samedi 14 d'août là, en plus le monde perd du carreau, même tout le monde connaît un carreau fissuré. Qui j'en sais aujourd'hui, quelques jours après le tremblement de terre, qui ça a changé la réalité mon local? Oui, et il faut que nous disions là, nos victimes ne passent pas non. Jusqu'à présent, nous dehors, car nous n'avons pas qu'à rentrer là-dedans, nous n'avons pas qu'à faire confiance, les gens le travail pour nous faire là-dedans avant d'entrer. Mais il n'est pas différent de plusieurs centaines, milliers d'autres monde qui ont même dans la rue tout, et qui ne sont pas capables d'entrer la caillou, abdomen à la belle étoile. Et la situation, c'est chaque jour la plus compliquée. Il faut que nous disions. Et hier, qui était mardi, donc avec
et passage gaz dans le pays qui devient une compliquée situation. Côté Mounio était déjà dans la rue avec pas de temps, pas de possibilité pour dormir comme ça doit. Eh bien, gaz qui était porté en pile là, puis te vient permettre lui-même une situation compliquée. Il faut qu'on dise c'est avec de l'orange pour garder des gens qui ont même abrité dans une série d'endroits. Il y a pas vivre situation ça, la pluie a tombé sur yo, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de prix là. Donc c'est une situation, j'en dis là, qui était compliquée, difficile. Donc c'est pour ça que nous avons vivre. Il faut que nous disions dans différents après nous dépasser, nous fait causer avec eux. Et au fin de compte, eh bien, il y a quelques aides qui commençaient à arriver sur yo, mais aides qui commençaient à arriver sur yo. Ils ont privé en désordre, puisque ils ont estimé, eux-mêmes qui fermaient côté OEAN, l'aide de l'arrivée, institution en l'aide vinyle, qu'on dépassait par les événements, puisque Mounio qu'on fait va sur le camion de côté produisant, pile monde vinyle, donc ça qu'on cause, eh bien, les responsables eux-mêmes ont décidé de camper la distribution. Y aller avec elle parce qu'il y a trop de désordres. Donc, situation ça a répété presque dans tout le temps qui est aux alentours de ville locale. Et c'est pour nous dire, si ça, si responsable n'a pas choisi l'autre stratégie pour faire aide ça, arriver sous Mounio, il y a un pile victime qui a continué dans le même problème, hein, puisque il n'y a pas de rien. Puisque il n'y a pas de possibilité pour rejoindre l'aide là avec facilité. Je vais expliquer, il y a une raison qui permet de nous autres là, c'est des gens qui ont même été fait la rue depuis longtemps. Et ça a été en pile sens. Les gens qui ont été dans la rue, qui ont demandé toute la journée, tout le monde a demandé, eh bien, les gens qui ont venu un boulevard devant eux là, pour marcher tout côté, estimé, ouais, machine, à compter dans le camp, à faire distribution, ils font façon d'aller bouiller. Et quand ils prennent tel, ils prennent déjà d'un côté, ils font masse, ils courent dans l'autre centre et dans l'autre camp, ils prennent, puis ils n'accordent toujours des autres, chaque côté est du à privé, situation compliquée, c'est Junior Lindo. Alors, mais au fait, qui est à disposition en termes de sécurité pour que la police facilite la distribution en fait en bonne et due forme, monde qui doit venir joindre aide là correctement, c'est nos yeux. Et nous ne sommes pas capables de. Et il n'y a pas de bonne explication, et la police peut accompagner Edio Piovini, la police peut accompagner et moun qui a fait Edio, alors l'institution qui a fait Edio, la police là qui est pour quoi, nous ne connaissons pas à partir de l'expérience qui a fait là, si qu'on y a pas capable de gagner l'autre stratégie qui est développée pour permettre d'aider l'arrivée sur les victimes, mais c'est comme ça, et nous disons, c'est des ordres jusqu'à présent. Et institution yo, l'arrivée d'un côté abri, dans abri yo, côté moun yo empilé, pour ton aide, eh bien, c'est Jean Dioulan, l'arrivée c'est vrai, mais avec empile moun qui a couru à prendre, donc ça vient là pour deux autres éclatés, les deux autres éclatés, institution obligée par gain l'autre choix, lui fermer, lui dit l'aller, puisqu'il n'est pas capable de bailler. Et ça dans la situation ça. Faut qu'on dise qu'il y a un pile et oui qui commence à arriver dans le département. Mais c'est intérieur qui commence à arriver avec Ed Pal, venu avec une série de matériels qui vont, matériaux qui vont servir pour victimes, il y a les institutions, tant que Faes qui ont même commencé à arriver. Nous parlons plus d'explications puisque nous avec nous dans centre opération urgence départementale, nous avons coordonnateur. Avec coordonnateur et département, qui c'est Sylvia Guillaume, là avec nous, c'est Junior Lindo, là, il a une plus d'explications concernant ça que fait, puisque comme on dit, quand on a parlé là, l'hôpital Okaï, ou bien de façon générale, il y a environ 2000 personnes qui déjà mouru d'après l'explication et coordonnateur département de Lavano, et des passages tremblement de terre qui la cause. Environ 2000 monde, mais pour précision, c'est 1951 en tout cas. Sylvia Guillaume avec nous pour vous explication. Sylvia Guillaume, bonsoir, Télévision Nationale d'Haïti, vous souli. Bonsoir, Jessie, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, compris Télévision Nationale d'Haïti. Alors, monsieur Guillaume, qui s'habille pour le sud, dans le moment où on a parlé? Bon, normalement, vous connaissez une situation extrêmement alarmante et nous avons environ 2000 monde qui t'a mouru.
un tremblement de terre ça, mais qui désagrégé par commune. Ensuite, nous gagnons un pile qui a écrasé, un pile qui a endommagé. Nous gagnons un pile monde qui est traumatisé par rapport à un choc. Ça, c'est un choc qui mettait au cas à genoux, tout le débattement sud-là. Pas oublier le débattement sud-là, depuis 2016. Il y a des gros phénomènes, des gros événements cascadés, tant que le match est passé, pays lock, confinement et tremblement de terre. Et il y a une bagarre qui est compliquée, tremblement de terre qui implique la vie de la population en ce moment. Ça, c'est le cyclone Grèce qui devient la pluie pendant que nous ne sommes pas entrés en bacaille, mais la pluie tombée. Ça veut dire que c'est une situation extrêmement difficile que la population et la sud-nord à vivre dans un moment d'en parler avec là. Maintenant, qui est à disposition au niveau protection civile pour que nous assurions nous que l'aide arrive à toucher tout le monde qui est victime et arrive dans toute commune qui est touchée? Non, pas oublier. Protection civile, c'est une structure verticale qui sortit depuis le niveau central, comité central, passé dans le département, passé dans la commune, arrivé dans la section communale, il y a des structures organisées, il y a des plateformes comme ça. Et c'est avec la plateforme ça que nous avons disposition pour que au moins nous acheminions l'aide à l'arrivée. Ensuite, nous avons un zonage que nous faisons, un zoning et au niveau communautaire, de façon pour que tout côté qui est enclavé, au moins nous mettons son carte. Et à partir de ça, nous disons qu'on est capable de faciliter que l'institution arrive à aller. Mais malheureusement, l'institution internationale, parfois, c'est que des machines arrivent et y aller. Et ça fait nous solliciter, nous privilégier des rapports, des partenariats entre organisations internationales, l'État et des organisations communautaires de base qui, eux-mêmes, qui n'ont plus pour les populations pour permettre que, au moins, aide capable à rejoindre. C'est des dispositions conservatives que nous prenons, une disposition inventoriée zone qui est beaucoup plus inaccessible, qui est beaucoup plus à risque. Qui n'a pas accès. Et deuxièmement, on a gardé ensemble avec l'organisation communautaire de base qui vient dans la zone qui permet que nous fassions fonction entre trois institutions internationales ou bien l'État qui permet que l'aide arrive à venir. Maintenant, qui sa réponse au commencer, puisque il y a des besoins pressants, on a tapement de l'eau, manger, temps, prélat. Est-ce que je veux dire à M. Guillaume, gagner des efforts qui fait pour nous capables de répondre à besoins ça? Normalement, et pas oublier que nous sommes un phénomène qui est très lourd, qui passe dans le pays, comme je l'ai dit, et que le pays n'a pas préparé pour gérer un événement comme ça. Mais ça qui est, comme par exemple, le fait que nous n'avons pas préparé pour un bail comme ça, il y a une inadéquation entre besoins et ce qu'a fait, et ce qu'a bail. Mais toutefois, il y a des interventions qui sont faites avec, dans le premier temps, avec des institutions qui commencent à faire des bagages. La fois dernière, le Premier ministre a fait des visites de reconnaissance. À partir de ça, c'est facile de gagner des institutions privées qui commencent à mettre à bas de l'eau. Il y a des institutions où le PAES commence à produire des kits alimentaires, etc. Il y a des autres institutions pour UNICEF, pour OIM, commencent à distribuer des bâches, même si ce n'est pas en grande quantité, mais il y a des petits efforts qui commencent à se faire. Mais qu'on y a des camions qui arrivent aujourd'hui, qui a facilité que gagne des distributions qui fêtent, qui pour vivre à l'heure. Mais je me dis non, c'est pas comparé à ça parce que le tremblement de terre a une particularité exceptionnelle parce qu'il est beaucoup plus frappé que le secteur communal. Le secteur communal en général frappé. Là, nous prenons en commun dans le Campérin, le secteur communal est frappé de plein fouet, deuxième section, troisième section Campérin, frappé, section communale. Donc, on prend au cas de succession communale, on frappe sérieusement. On prend un niveau maniche, section communale très frappé. Ça veut dire qu'il y a des problèmes très sérieux qui passent dans le pays, qui passent dans... Alors, vous l'avez sérieux, mais il y a une solution, M. Guillaume. Et c'est ça, je veux dire, en pile la population dans le sud-là qui est victime souhaitée pour que l'autorité de l'État ne prenne pas le temps pour arriver sur eux. Oui, non, de toute façon, c'est sérieux, c'est appel humanitaire qui est lancé, appel humanitaire lancé, ça fait nous mal à chercher solidarité. Solidarité dans le temps de la population haïtienne hein, et solidarité dans le temps au niveau international. Parce que ça qui est soudain, c'est un bagage qui est
qui très grave, parce que pas oublier moins du sud là à genoux depuis des cyclones Mathieu pays loc fait que si le sud là pas même rien hôtel restaurant cap marché à mon père du travail etc. Nous venons confinement qui nous augmenter par là nous venons nous venons tout ensemble de bagages nous vont se mais nous fait crise président nous venons tremblement de terre ça veut dire que de tout un ensemble de problèmes en cascade rivière sud là qui fait sud là très vulnérable par rapport à tout ça qui a passé là. Ça fait que nous lançons un appel à la solidarité internationale, nationale, pour appuyer Sud-Lan pour le capable de régénérer et en même temps nos perspectives de résilience. Ça fait que nous demandons toute radio, toutes médias et tout leader d'opinion à nous pour plaidoyer pour que Sud-Lan capable normalement et camper parce que Sud-Lan est là. Parfait. Alors, je veux dire, on qui prend le bail aide dans le sud, dans le département sud, au cas toute l'autre commune qui touche eux, est-ce que le cas les faire pour contenir ou bien l'obliger de passer la structure protection civile là pour canaliser vers zone qui touche eux, M. Guillaume? Normalement, oui, parce que nous faisons une cartographie institutionnelle. Mm-hmm. Et une cartographie institutionnelle qui va permettre que nous avons un minimum de contrôle par rapport à ça. Ça fait que pour éviter duplication, pour éviter les gaspillages, et selon ça, qui définit par le gouvernement, il faut que toute institution qui a l'idée d'appuyer le département dans faire des distributions qui permettent que la population qu'on souffre, nous recommander que les passer dans le code, non seulement l'avant-enregistrer dans le code, et en même temps, il y a pas de directive, il y a pas de tel qui côté pour aller, pour parler, pour éviter à ce que, et pas grand pile de ressources. Puisque par exemple, les ressources, ça gagne pour le partager de manière équitable. C'est ça qui fait que nous privilégions ça, nous proposer pour que tout le monde soit capable d'entrer dans la dynamique. Ça, si toutefois, vous avez l'idée, vous venez dans le sud-là pour venir bailler, on appuie et pour venir participer dans les opérations de secours, l'important, l'obligatoire même pour que nous passions dans le coup-là pour des directives, pour des orientations. On connaît exactement qui pourrait nous parler, qui permet que au moins ça soit côté ou bien soit voulu faire, il fait en bon et du fort. Oui, parce que là, il y a plein, comme quoi des gens qui viennent distribuer, et puis Bouara, tout le monde vient mêler, ils ne vont pas arriver à faire distribution, déjà ça doit faire. Mais normalement, pas oublier, c'est un gros phénomène. Un gros phénomène tant que ça. Là, nous t'a dit comme Nado, tremblement de terre passé à 8h30. À 9h, on est dans le Sergi Nolendo. Et quel que soit le monde qui croise, il faut le ballon bouteille d'eau. Si le monde croise, il faut le ballon plat manger. Si le monde croise le tout, il faut qu'il parle avec elle comme pour le réanimer psychologiquement. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui était vivre, soit que ça, il mérite une réponse. C'est-à-dire, c'est juste pour nous dire que la réponse qu'il a de côté par rapport à ça, c'est une réponse de masse. Comme si pas même des gens ciblés, parce que c'est pas de monde qui était. Pas de monde qui était plus fort que l'autre dans le moment ça, tout le monde est vulnérable. Et ça fait que c'est plein à tout, c'est plein, parce que si c'est dans le mode d'organisation, ça veut dire qu'il y a toujours plein. Mais toutefois, je dis que c'est cas de masse pour la fête, dans faire des distributions de masse. Il y a toujours des gens qui sont capables, plus fort que l'autre. Mais il faut que la méthodologie ait été portée à l'école, à l'école, pour que l'aller, pour que l'aller, pour capable de bénéficier de ça. Est-ce que tu es au courant, M. Guillaume, des autorités locales qui t'ont saisi aide qui vivait dans la ville de Caillou? Non, c'est pas comme ça. Parce que normalement, l'aide qu'on connaît toutes les victimes, mon pile les victimes, ils ont constaté qu'il y a des camions qui sont sortis de Port-au-Prince qui descendent dans le sud, ça a été un petit révolté le monde sous route. Mais avant hier, nous avons une réunion avec l'arrondissement Akin, qui est l'arrondissement Akin, Cavaillon Saint-Louis. Nous avons rencontré l'autorité dans l'arrondissement ça pour expliquer au bas là, même pour que vous êtes capable d'anticiper par rapport à des gens qui ont une tendance à faire ça. Et ça a marché, et nous-mêmes nous avons pris disposition. Au lieu que si nous venions avec les camions, pour que au moins côté dans le sud, et à quel point nous travaillons, nous au moins tout quitter pour le camion dans chaque commune. Ça, en façon pour que nous ne parlions pas de côté, nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas oublier, et c'est ça qui fait que
nous faisons ça. Mais les gens là, c'est nos filles, nos victimes, ça veut dire que c'est pas, c'est destin, c'est destin normal. Parfait. Là, là maintenant, les gens qui ont un, les gens qui ont un, je veux dire, pas besoin de faire des problèmes. Pas mais qu'il y a des cas privés, mais qu'il y a des cas privés, je veux dire. Normal, il n'y a pas besoin de faire des problèmes, c'est parce que la stratégie, la décision que nous prenons, nous prenons une décision pour que, au lieu que toute aide, elle a passé à Vinokai, dans chaque ça a passé, il a quitté des stocks dans chaque communauté, en façon pour que nous, il n'y a pas besoin de Vinokai pour nous, mais au moins, tout quitter la carrière, même qu'ils ont décidé de faire à sa pire. Nous avons regardé quelques images, monsieur Guillaume, dans l'Ender Gabion, nous avons mouillé avec la pluie, suite à grâce qui était bonne en pile la pluie, surtout dans le sud, malheureusement, qui touchait après le tremblement de terre là. Est-ce que, au niveau de protection civile, il faut que pour nous avoir une tente, pour si tu as pu tomber encore, pour ne pas avoir la même réalité, nous avons vivre dans l'Ender Gabion? Bon, normalement, il y a un appel qui est lancé. Et ça, ça nous tout pour nous être conscients que la pluie, avec qui devine avec le clone de ça, l'État va le faire tort, faire mal. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de cas de mon entrée dans la caille, nous n'avons pas de cas de mon entrée dans la caille, parce que quand nous sommes plus sourds et quand nous sommes endommagés, nous sommes privilégiés que nous sommes au moins accommodés. Accommodés dans le sens par où nous ne pouvons pas gagner de monde, nous ne pouvons pas gagner de victimes que la pluie a fait, ou que la pluie a fait avec, par rapport à Sigone. Mais toutefois, il y a des plaidoyers qui ont fait auprès des partenaires. Comme l'a dit, exactement, ça ne fait pas permettre que les populations bénéficient de moyens pour que l'État puisse mettre sous tête. Mais si toutefois, tu as besoin de l'autre problème, ça ne va pas continuer à faire. Alors nous apprenons des sauveteurs qui permettent que nous retirions des mondes vivants en bas des camps, heureusement. Est-ce que l'opération ça a continué ou bien nous revivons de l'autre monde qui est vivant en bas des camps? Oui, dans deux jours. Dans deux jours, l'opération ça a fini. Jusqu'à présent, c'est toujours l'opération de sauvetage qui a fait. D'après hier après-midi, dès 11h, du soir, on est venu côté là, on a besoin de deux corps. Des corps en bas des camps que on joint. L'opération va continuer pendant reste week-end, reste semaine, pour que au moins nous capacités dans sa crélée évaluation ciblée et déjà dirigée, permettre que nous sommes capables de gagner des informations beaucoup plus précises, désagrégées par sexe et par âge. Combien de communes qui puissent toucher dans le département? Normalement, il y a dans les communes qui viennent dans le sud. Il y a trois communes qui étaient moins touchées, qui étaient moins affectées par rapport à tremblement de terre là, mais qui viennent compliquer, parce qu'ils viennent compliquer avec la pluie que risquent de faire. Ça veut dire que viennent faire que tous les 20 communes, ils même tout, ils ont affecté sérieusement par rapport à phénomène ça qui vient en cascade. Alors, je vais quitter le monsieur Guillaume, mais au fait, nous avons besoin de parler aujourd'hui, c'est de l'eau, c'est manger, c'est tente, c'est prêt là. Qu'est-ce qu'on a fait là pour nous vivre sur nous et ça pas du temps pour que besoin ça fasse. C'est de l'eau manger qui digène, qui cuisine, qui te. Mais on va qui est extrêmement important, que nous-mêmes tout insister pour lui, c'est ça qui est appui psychosocial, santé mentale. Imaginons un monde qui fait une victime pendant tout ce qui va subir tout ce que ça. Ça veut dire l'activité loisir, l'activité, le besoin de l'appui psychosocial qui a permis de le réanimer. Et dans ce sens, c'est ça fait que moi, je pense que, en dehors de manger de l'eau de toi, faut pour moi, mon accompagnement en appui psychosocial qui a permis de nous réanimer. Parfait. Mais là, maintenant, au niveau protection civile, nous commençons à arriver sur Mounio, nous commençons à porter de l'eau pour vous, porter de temps pour vous, porter manger pour vous. Oui, bon, de toute façon, les gens voulant gagner déjà, ça veut dire par rapport à la quantité de dégâts que là, gagner une adéquation entre besoins et ça qu'a fait déjà. Mais toutefois, nous avons une dynamique là. Nous avons une dynamique là pour que nous avons des bagages pour mettre que nous avons plus ou moins fait de satisfaire par rapport à tout ça. Ok. On nous qui doit contacter coordination dans le sud pour aider nous. Qu'est-ce que ça va faire? Le numéro de téléphone? Non, on l'a passé, c'est mon grand sud, on l'a passé dans le sud, qui c'est Boudette, en face du ministère de l'Agriculture pour les DH, tout près au FATPA.
Ensuite, téléphone PAM, les publics, c'est 48-48-98-0308. Vous pouvez reprendre lui, s'il vous plaît? 48-98-0308. 48-98-03-08. Merci infiniment, monsieur. 0308. Merci un peu, monsieur Guillaume. Bon courage. Et puis, on peut reparler et pour nous capables de continuer. Qu'un des populations informées sur ce qu'a fait dans le département sud qui est très touché par le tremblement de terre 14 août 2021. C'est mon coup, merci. Merci un peu. Alors, c'est notre ou là? Oui, non. Alors, c'est notre nous allons nous refermer. Et nous t'apprenons de gagner une évasion qui fait dans la prison civile locale là. Vous avez information sur ça? Donc, nous avons fait paraître dans la prison civile locale là. Et c'est vrai que les notes voulaient jouer une information ça qui t'a couru comme rumeur. Et nous pas jeunes vrais responsables, puisque yo et agents appelé à nous déjoindre, et nous connaît que yo pas gain nan mission yo et parler avec la presse, et seulement yo peut référer à l'autre autorité qui est bien placée pour parler avec nous, qui nous pas capable de joindre dans le même moment, mais seulement ça a été fait comprendre, yo même qui était sous place, te dit. Et dans le cadre des gens de mouvement, ça a fait toujours gain, et prisonniers ont toujours à profiter pour regarder comment ils ont mettre van en voile. Ça devait permettre un petit chauffage qui a fait dans la prison. Yo. Mais tentative là, c'est vrai, mais aucun prisonnier n'a pas de temps et sorti dans la cellule. L'un des dinos dans des balles qui a tiré pendant tous les jours. On a tous joué tremblement de terre, et des fins qu'on est, c'est une façon pour intimider les prisonniers, mais c'est pas, ça va de dire, c'est les prisonniers qui ont fait des ordres, c'est même, dans le cadre de sécurité par eux, dans le cadre des gens, qui comprennent, comment pour sécuriser ces lieux, ils étaient capables d'entendre des bruits bas à eux, mais c'est juste pour intimider les prisonniers, pour eux-mêmes, par exemple, pour en chance, et mettre quoi au dé. Donc, en un mot, c'est bien comprendre, agent AP NAS qui t'a parlé avec nous, mais qui pas appelé nous en recevoir, puisque n'y a pas mandaté pour ça, tu fais comprendre toute bagaille dans l'autre, pas gagner, question évasion, les gens et monde te fait remettre pour lui dans la prison civile au CAI. Pour l'hôpital Immaculée Conception de CAI, tu as pris le souci par rapport au matériel, par rapport aux ressources humaines disponibles. Comment ça aujourd'hui? Est-ce qu'il veut faire face à toute demande que il veut joindre, les gens qui sont blessés, les gens qui ont besoin de soins de manière générale? Directeur départemental, directeur médical et l'hôpital ça, nous qui pas présent les noms dépassés et qui devait nous permettre, non pas capable de toute précision, mais ça va empêcher dans le cadre de travail par nous de joindre quelques informations. Côté médecin, cadre de travail, ils disent nous, eux-mêmes, ils ont presque fait. Qu'on est pour bailler service là pour aider les victimes puisque ils ont recevoir en pile victimes tout un demande de terre là, mais tout le monde qui vient joindre soin au contraire ils ont fait une comprendre si m'a gardé délai et tremblement de terre là de faire privé 14 août et à aujourd'hui m'a pris beaucoup différent dans la quantité de monde qui ont même devenu l'hôpital et quantité de monde pour aller là qui a quitté l'hôpital là parce que joindre soin y aller. Et puis, tout le bagage correct d'après ta routine. Est-ce qu'il y a plus de médicaments? Est-ce que nous jouons des médicaments? Question télévision nationale posée. Oui, nous jouons des médicaments. Est-ce que nous jouons des médecins qui renforcent les quantités de gains? Oui, c'est toute la journée. Médecins après aller, médecins venir. Donc, nous n'avons pas de problème, médecins. D'après le président et médecins qui ont même parlé avec nous, nous devons sur place. Donc, c'est bon. Tout le bagage a marché, nous avons un service et nous-mêmes, les abordés et partant, ils ont dit aux jeunes médecins. Donc, tout ça, tout plan ça, pas gagné trop de problèmes dans l'hôpital Immaculée Conception qui a prévu voir victimes et 14 août là, c'est une olène. Parfait. Là maintenant, pour mon cap suivant là, qui sont en contact de faire rapidement par rapport avec besoin et victimes pour permettre que nous aider dans la situation difficile à connaître. Qui a besoin de t'adouer rapidement? Bon, et besoin, c'est toujours le même bagage, parce qu'il y a toujours besoin de l'eau, il y a toujours besoin d'hygiène, kit alimentaire, il y a dit jusqu'à présent, il faut vous vivre. C'est vrai, nous avons parlé, bon, sur le temps des coordonnateurs départementaux, peut-être là qui dit, il y a quelques institutions qui commencent à arriver au niveau du département, mais tout ce qui est faire, vous pouvez faire. Et, institution passée, c'est pas
question et nous rencontrer, nous connaître tout, mais les gens qui sont sous place comme victime et qui n'entendent, disent oui, oui, parfois quelques institutions qui passent une distribution, mais la distribution ça n'a pas jamais bien fait, ils ont toujours réalisé même ça qui est venu, parce que quand c'est les gens qui envahissent, ils permettent de faire des distributions. Donc là, il y a un appel qui est supposé au niveau responsable, au niveau de la police, au niveau responsable dans la police pour voir dans quelle mesure ils sont capables d'encadrer l'institution qui eux-mêmes décider à le côté aide dans le temps, mais les rivières ont une résistance, l'indirésistance ont une difficulté pour faire du ça parce qu'il y a l'autre monde qui envahit et passer à bailler qui permettent des autres d'éclater. Qui n'est pas capable de faire la distribution. Il faut que nous disions, bon, c'est en réalité lié, mais c'est notre biométrie, puisque c'est tout département, tout villa, toutes les victimes. Chaque victime, je ne sais pas, il y a des gens qui choisissent la caillou, qui va avoir des aides là, mais il y a des gens qui ne peuvent pas choisir le camp, il y a un espace pour l'aldomie, mais qui quand même victime, et là, les machines passent par le côté de la réunion dans le camp, ils plongent des machines là. À suivre l'ALDE et sa machine à poter. Les gens qui étaient dans l'espace là, d'après l'explication de Vano, pas qu'on arrive à joindre en rien, alors que l'autre monde qui est même dans la rue, qui suivent la machine à poter, c'est eux-mêmes qui permettent de venir des ordres, et parfois, en pile là-dedans, pour nous rejoindre déjà, et puis continuer à suivre la machine à poter, encore pour y aller pêcher. Et l'explication de Vano sur place montre que les gens qui sont en pile là-dedans, les gens qui sont en pile là-dedans, si on a des choix de distribuer, eh bien, en pile là, il n'y a pas besoin de personnel pour eux, ils choisissent de prendre, aller vendre sur le marché pour faire l'argent. Donc, c'est une façon pour nous, il faut gagner en pile les mesures qui prennent pour permettre de bien distribuer et d'ailleurs les stripper. Dans le camp, c'est Julien Vendon. Ah ben, merci en pile, c'est notre espoir. Et on peut reparler très certainement et demain et pour nous gagner notre précision, notre information sur comment la situation est dans le département sud-là. Bonne soirée, KBFM, bon courage. Merci un pile et salut tout le monde qui débranche Télévision Nationale Live. Voilà, Jean, c'est nos yeux d'espoir en direct de la ville de Kay, Kemnivilsin. Et de dernier bilan que nous là, tu as fait état pour le sud de 12 268 blessés. Hein, 12 268 blessés de manière générale, mais pour le sud, c'est 9158 dans le sud. Et puis pour ça, pour un monde qui perd la vie dans le sud, c'est 1832. Pour Kay qui est écrasé 30 122 pour le département sud, Kay qui est endommagé et pour le sud c'est 42 737, dernier bilan et qui rejoint, bilan partiel et nous capables de dire. Chiffre qui a paloudi sur le département qui touche et particulièrement sur le département sud là. Département sud là qui depuis commencement, souffle depuis le premier moment, depuis partage, premier bilan, qui est toujours devant, malheureusement, dans cause des chiffres, que ce soit dans le monde qui perd la vie, dans la quantité de cailles qui crasé ou bien cailles qui endommagé, famille qui sinistrée. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a département sud-là qui continue à être devant dans le chiffre. D'ailleurs, plus de 1800 personnes mourent. C'est quand même énorme après une catastrophe. Alors que parallèlement, dans deux autres départements qui constituent le Grand Sud, qui principalement touché par passage et tremblement de terre là, il y a environ 200 personnes qui perdent la vie, que ce soit dans Grandance ou bien dans Nip. Donc c'est certain que le département sud, c'est le département qui est touché par rapport à sa résultat bilan, oui. Et c'est le département tout qui n'a plus nécessité à travers plus de environ vingtaine de communes qui constituent le département SILA. C'est vrai que les communes qui sont moins touchées, nous sommes avec responsable protection civile au niveau du département sud là, qui dit que les communes, il y a trois communes particulièrement qui moins touchées, il n'y a pas cité, mais c'est certain qu'on commune d'un coup de Tiburon la donne, c'est pour commune nous vraiment entendre gain des impacts directs tremblement de terre là sous commune ça, mais il rappelait qu'à cause de la pli, à cause grâce, je dis à presque toute commune dans le département dans une situation difficile. Mais dans ça qui est pour eux, avec un tremblement de terre là, nous connaissons des communes tant que Campérin, que je t'ai mentionné, tant que Maniche, dans gros difficultés, Saint-Louis, Akin, Cavaillon. C'est des communes qui ont des difficultés et qui ont besoin de monde, vin poté bourrade, vin baye bourrade, et particulièrement
au niveau des sections communales qui constituaient commune Silao, l'important pour nous comprendre, ne pas jamais suspendre rappeler aller vers section communale, aller côté éventuellement machine pas arriver côté caméra pas filmer parce que monde ça aujourd'hui il y a une grosse nécessité et dans la solidarité il faut toujours penser à eux. Ensuite, nous pas suspendre il y a ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné qui perdu la ville. Il était une jeune quoi en bas des combes dans l'hôtel que le même était gagné et le magué. Il y a tout un confrère de Radio Lumière, Barthelmy Alcénor, c'est responsable de la programmation station régionale K et Radio Lumière qui même tout perdu la ville. Il était fait une transmission dans l'église Baptiste Saint-Louis du Sud, puis frappé et la tête, couru avec l'hôpital Bonnefin Cavaillon, mais malheureusement l'arrivée lui perdu la ville. Bonnefin Cavaillon lui-même tout. Qui ont parti dans l'hôpital là, selon l'information que nous apprenons, qui endommagé, mais qui continuent à recevoir mon tout bas soin, et dans le premier temps, c'est deux qui fait. Par contre, le cours, il a commencé à y aller. Très certainement, on a bien pour nous retourner dans la prochaine émission spéciale sous situation centre hospitalier, ça. Mais tout question de l'école là, son gros morceau. Et c'est vrai, le ministère de l'Éducation nationale, et pas, t'as annoncé que Kembe date 6 septembre maintenant. Qui s'accapera le fait pour le département ça, pour Timoun qui n'a trois départements, ça, parce que quand pile l'école qui est endommagée, quand pile l'école qui est crasée dans le département NIP, département Sud, département Gadas, maintenant, qui sa disposition y est, qui sa plan y est, pour permettre que Timoun Zahotou est capable de reprendre l'école avant longtemps, pendant que l'autre Timoun respecte eux-mêmes à l'école. Donc, tout ça, c'est le bail que nous allons pour nous garder avec responsable ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, pour nous connaître comment on va ajuster le programme. Pour que, et, bah, là, c'est vrai que nous connaissons pile fois, mais c'est sa réalité, nous, éducation plusieurs vitesses, mais nous ne gagnons pas tout pour nous pénaliser en groupe, nous ne gagnons pas tout pour que nous avons groupe nous ait plus de possibilités, et puis l'autre qui n'a pas même possibilité avec elle. Alors, il faut que là, le ministère garde dans quel niveau il pourra permettre que si les gens qui sont dans le grand studio, qui touchent sévèrement, l'école est affectée, par vraiment la difficulté économique, je dis, pour permettre que si les gens retournent à l'école, bah, avant très moment, comme ça, la réalité économique PAT, donc là, on a prétendu, et plus d'explications, bon côté ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, à quelques semaines de, on dit à quelques jours, de rentrée officielle de l'école, là, nous connaissons qui est planifié, qui est programmé pour 6 septembre 2021. C'est clair et que nous gagnons un passé spécial pour une catégorie de monde, une série de monde qui est impliqué depuis 14 d'août là, dans essayer de sauver la vie frère accès nous. Gagnons de monde qui, dans le niveau de l'État, institution dans le niveau de l'État, d'ailleurs, je dis à l'intervention du Premier ministre, il était mentionné plusieurs institutions qui impliquées dans Baïmourad depuis 14 d'août, à monde qui est en difficulté dans le Grand Sud-là. Il mentionnait plusieurs ministères, particulièrement le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui est très impliqué surtout dans faire ouverture pour permettre justement relier Grand Dans-là à RSPIA. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.